la 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 la. On est au bon intro. Et on s'en vient jaser ici un petit peu. Je veux principalement. Hey, salut tout le monde. Je suis ici qui est avec vous pour ce début de nouvelle aventure. Ça, c'est bien trop fort, c'est sûr. Voilà, très content de vous retrouver dans quelque chose qui n'est absolument pas Alundra. C'est terminé cette aventure-là, donc je suis très facilement capable de vivre avec ce concept-là. Aujourd'hui, on essaye un nouveau jeu qui nous a été demandé par un de nos auditeurs et amis. C'est Eric, alias... si j'ai oublié de son nom, hein. Ça commence par eux aussi. Là. En tout cas, des fois, il est là, peut-être qu'il va être là tantôt. Ils vont faire « Ah oui, c'est vrai, c'est lui! » Et Kundo, et blablabla. Ça s'appelle To the Moon, en tout cas, j'ai fait aucune recherche, je sais absolument rien de ce qui va s'en venir. Il y a Nathan qui est avec moi, il y a Caroline aussi. Merci beaucoup les amis de m'avoir aidé hier pour le karaoké. Sans vous, je pense pas qu'il y en aurait eu. Fait que, on a eu beaucoup de plaisir, je pense. Ah, c'était... On en parlait tout le long aujourd'hui. C'était vraiment plaisir. Vraiment fun, hier. Il y a eu... Bruno a fait exploser la scène en y allant de Calvaire with Butterfly Wings. Hey, c'était bon, je veux une version studio aussi. Oh, oui, vraiment. C'est qu'à un moment donné, il y a 2 ans, j'étais dans une phase de la chicane. Ça m'arrive une fois par année à peu près. Là, je commence à être dû. Et j'ai réalisé que tu pouvais chanter. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme de la rage dans une cage. Fait que là, Bruno, il a refait la toune au complet de Bullet with Butterfly Wings. Et il a appelé ça Calvaire with Butterfly Wings. Et ça a été quand même assez magique comme aventure. C'est lui qui a gagné le karaoke. Ah oui, oui. Fait que sinon, bienvenue à Douteux TV. Vu qu'il n'y a pas vraiment... J'ai mis un montage parce que l'affaire est carrée. En arrière de nous, vous allez voir des images de l'espace. C'est un montage qui s'appelle montage d'images Dobo. Des belles photos. Ça appartient à l'humanité. Fait qu'on a le droit de déplacer là. On va jouer à To the Moon. Donc, j'aimerais ça. Je vois qu'il y a des viewers. Il n'y a personne qui a écrit encore. Sauf Snowlax. Merci vraiment beaucoup pour ton abonnement. C'est très apprécié. Merci. Fait que je pense qu'on commence. N'hésitez pas si, encore une fois, il y a une manière d'améliorer le volume. Il y a une petite affaire qui vous chicote. On est mieux d'en parler maintenant puis que tu y penses pas pour tout le reste du stream. Là-dessus, on begin To the Moon. Je n'ai aucune idée de quoi que c'est. J'aime beaucoup à date le... Y a-t-il de la musique par-dessus la musique? Ouais, y a de la musique par-dessus la musique. C'était peut-être... OK. OK. C'est tellement zen. Ah ouais, c'est vraiment... Je suis dans ce beat. C'est quoi, là? Moi, je... Non, mais je trouve que c'est zen en ce moment. Je suis vraiment dans ce beat-là. Oui, c'est drette le jeu pour la journée. Pas de trouble, j'aime beaucoup l'univers que tu proposes. Ah, c'est super gentil, merci beaucoup. Puis le volume est correct, Snowlax, fais juste écrire un oui pour que je me sente mieux. C'est un beau petit 16 bits, ça va être le fun. J'aime beaucoup ça. Ouais, parfait, merci beaucoup. J'en parle plus, là. Hey, je pense que j'ai enlevé les events quand on a un abonnement, là, qu'il y a l'explosion, pis tout. C'est-tu le event list? Le truc d'abonnement, ouais, c'est Event List. Ok, bon, tu sais, je vais le remettre à on. Quand il y a quelqu'un qui s'abonne, il va avoir une explosion comme ça. Ah, ça c'est pas ouais, Event List. Ça c'est. Tu sais que tu regardais, Neil. Ben, excuse-moi pour être héroïquement. pour héroïquement avoir. Ah, ok, ouais, parce qu'il conduisait. Ouais, excuse-moi pour avoir évité héroïquement cet écureuil qui est apparu de nulle part. Okay, on c'est... le voit, il est l'écureuil, il est là. Ouais, pis t'as roulé dessus par-dessus quand même. Déjà un mort. Oh.
T'as roulé dessus et t'as fait ça un arbre. Bah, c'est pas grave, c'est la voiture de compagnie. Est-ce que tu me niaises? Le boss va nous tuer. Bah, on a juste à dire que j'ai essayé de sauver un chiot. Ben, il aime les chiots, hein, me semble? Qui n'aime pas les chiots? C'est plus un... Ah, il aime plus les chats. Fuck him. Pourquoi est-ce que le monde doit être autant compliqué? Oh my god. OK. Whatever furball he fancies. OK, peu importe s'il aime mieux les chats, on a évité une crise. Bon, ben, on va écrire ça dans ton rapport plus tard. Ensuite, deux. Félicitations d'avoir terminé à Lundra, ouais, je... Est-ce que les marathons de films et séries sont streamés ici? Oui, à toutes les fois. On n'a pas d'autres qui s'en viennent. Là. Je pense que Pascal voulait faire un autre Blaxploitation. OK, fait que là, je peux interagir avec les choses. Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller voir s'il y a... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'options. Mais, man, ça, là, c'est... RPG Maker. C'est fait avec RPG Maker, je sais pas lequel. Mais... Ah! Puis après ça, tu peux mettre tes builds en ligne. Ouais. C'est, en fait, quand t'achètes RPG Maker, après ça, t'as la licence pour produire. OK. Alors, cancel. Comment je fais? Je repèse Excel. OK. Puis y a pas comme un O pour faire des options. OK. Bon, un jeu de point and click, ça me va. On va avancer avec ça. On peut regarder là. C'est la maison Wiles qui est plus loin. Mettre un signe. Ouais. Mettre un signe pancarte pour avertir qu'il habite dans le milieu de nulle part, c'est un petit peu de demander de se faire voler. OK. Tu vois que leur code moral à eux autres, hein? Ils... On va aller voir l'écureuil, là. Oh, come on! J'ai fait un accident avec l'auto en essayant de t'éviter. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? T'aurais pu réussir à pas cracher l'auto et l'éviter. Ouais, mais là, ça s'est demandé beaucoup. Fait qu'on va aller voir l'auto, hein, à date, c'est pas mal... On a trouvé l'équipement, enfin. On a le soccer. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être un suceur. Qu'est-ce que c'est, le soccer? Ah, il y a une petite flèche ici. Il y a une petite flèche là aussi. OK, le signe vers la maison pointe par là-bas. Ah, oh, c'est vrai, ça existe. D'accord, allons-y. Mais il n'y avait pas de flèche. Hey, attends, t'oublies l'auto. Mais je voulais juste voir si tu t'en souviens. Ah, comme c'est bien d'y avoir pensé. Pas aller dans la souche. Point and click, ça me va. Tant que j'ai pas trop de clavier à faire, ça, je suis pas bon avec un clavier. C'est pour ça que j'aime pas Minecraft. On trouve une version avec une manette. Mais c'est tough un peu jouer à Minecraft avec une manette. Mais je trouve ça cool l'idée point and click dynamique comme ça où ce que tu te promènes là. Ouais, hein. Qui sait, il a mis un gros rocher là. Peut-être que c'est leur système de sécurité. Ça se peut en estier. Ben oui, il y a le pénismo, hein. Moi, on avait vraiment beaucoup félicité. Je veux dire, sans la Magic Bean à Lundra 1, on l'aurait pas fini. Mm. Et sans le cochon qui redonnait de l'argent, on l'aurait pas fini. J'aurais pas été courir en rond dans le village pour essayer de... Kiquer des plantes. Ah, c'est sûr quand même. J'ai revu le clip que quelqu'un a fait de ça, là, ta face là, pendant que tu kicks des plantes. Là. Ben, c'était insultant. Ça veut tout dire. Ça avait pas de bon sens. Puis tu sais, je venais de passer le dernier stage, puis j'avais fait 25 gold. Hein? Fait que tu tues les méchants dans le dernier stage, puis en tout cas, il se passe des affaires. Ben, moi, je pense qu'on va essayer de trouver une branche. Pourquoi ça bug de même? Abort mission and go home. Tiens, on va faire ça. Tu sais pas si tu vas être payé si tu remplis pas ta mission. Bon, OK. Il va falloir qu'on trouve un Ikea bientôt. C'est quoi je peux-tu faire avec Ikea? OK, je peux faire avec ça. Je dis qu'il faut trouver un outil parce que les outils, c'est cool.
Je me suis couché de bonne heure, c'est pour ça que j'ai regardé la rediffusion en espérant que ça te laisse pas de cicatrices dans le coco. Ben, il y, y a eu... le lendemain, en me réveillant, il y, y a eu comme un... Tu sais, je sais pas comment dire, là, mais... De savoir qu'il y a une affaire vraiment plate que j'aurais pu jamais à faire. Il y a une branche sur le sol. Ah, là! Ah oui, je l'ai. C'est une branche. Ça m'a rendu très heureux. Le concept. Ok, ça c'est bien mieux de marcher. Qu'est-ce que c'était ça? Je comprends pas. C'est comme une balle d'air. Ah ouais, un soupir d'extase, mais en même temps, c'est. Tu sais, je. Comment dire? Je suis pas fier, là. Je l'ai fait par nécessité, tu sais, c'est. C'est comme d'avoir à tuer un chien malade qui a la rage en arrière de la grange. Là. Tu sais, t'es content que ce soit fini parce que c'est ça qu'il fallait faire. Puis en même temps, t'aurais aimé mieux pas avoir à le faire. Tu sais, ça. Tu décris vraiment bien, là. Ben, je suis de même, moi, j'étais un vulgarisateur. Salut Néo-Québec! Bienvenue à Douteux TV, on commence tout juste, tout de moon. J'ai fait aucune recherche sur le jeu, peut-être que pour la deuxième shot, j'aurai plus d'informations. Mais tu sais, on spoil pas s'il vous plaît, y a Nathan et Caro qui sont à côté de moi. Voilà. Eux aussi, ils ont jamais joué à ce jeu-là. Fait que on... Puis je trouve ça cool, moi, des jeux de RPG Maker, on en voit pas assez souvent. Je me rappelle, plus jeune, il y avait du monde, là, il faisait des jeux vraiment hot. Là. Ça me tente de faire là-dessus. Moi, devant mon jeu de role-playing à Montréal, là. On refait la map de Montréal, puis là, il faut que tu ailles au camping Sainte-Marie, puis Sainte-Madeleine, puis toutes sortes d'affaires. Ouais, mais tu sais, tant qu'à utiliser RPG Maker, j'utiliserais quand même Unity, parce qu'il y a les mêmes fonctionnalités dans Unity. Mais ça te donne la liberté pour faire plus de trucs. Unity. Ah, mais tu connais RPG. Ah, ben oui, mais là, dans ce cas-là, j'ai jamais essayé RPG Maker non plus. Non. Là, c'est... Moi, je veux que ça soit le plus simple possible puis que les idées existent. Là, c'est, ouais, c'est ouais, ça, RPG Maker, ça le ferait, ça. C'est quoi, il y a une corde à linge. C'est que j'aime ça, les cordes à linge. Ça a déjà été dans le top 10 de mes objets préférés. De mes objets. Ça doit faire encore le top 10. Avec l'ordinateur. Mon pénis, c'est pas vraiment un objet. Bon, on rentre dans la maison. Sûrement dans le top 10 des dudes qui ont fini le jeu, en supposant qu'il y en ait plus que 10 qui l'ont fini. J'ai pas lu beaucoup de bons commentaires en ligne à propos de Alundra 2. Pour ne pas dire que tous les commentaires en ligne à propos d'Alundra 2 disent que c'est de la calice de daube. Seulement 8 sur 10. Nous, on n'est pas dupes. On lui a donné le 20 sur 20 que ça mérite. Ben oui, mais... Not a bad place to retire. Ben non, c'est sûr. Parce que nous autres, on connaît ça, Tommy. C'est pour ça qu'on... Je pourrais faire mieux. Les chiffres de nuit, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Tu connais la réponse, toi, stupide hibou. Ça va peut-être être un autre all-nighter ou un autre travail qui va prendre toute la nuit, peut-être. Et Rosaline est prête. Je doute qu'ils aillent du café. Ferme ta gueule. And the ocean waves will sing the lullaby. Not through your blathering, they won't work. Ok, en tout cas, ils sont en train de se parler entre collègues. N'oublie pas l'équipement, imbécile. On peut dire moron. Je pense qu'il y a un gars des Nidrolet qui s'est fait chicaner à cause de moron, mais moron, c'est une condition médicale. Je sais pas si vous saviez. Une condition médicale très subjective, parce que dans les années 1850 à 1880, il essayait de classer l'intelligence et il y a quelqu'un aux States qui a... inventer des catégories et un test de QI, que si tu pognais, mettons, 80 à 100, t'étais un moron. Si tu pognais 60 à 80, t'étais un imbécile. Genre, c'était comme des catégories. Ça a pas super bien vieilli, mais tu sais, si tu traites quelqu'un de moron puis il le prend personnel, ben, tu sais. Ben ouais. C'est important, ça.
de le prendre personnel. Oh, acte 1, j'ai mal vu. Là. Lisa, c'est assez intense comme RPG Maker, mais ça te prend un public adulte. T'as de la mutilation, du suicide, de la sodomie, de la drogue et du génocide. Ouais, ça a l'air d'être assez intense. Et les Denis Drolet étaient au No Reset Speedrun hier. On lui souhaite d'avoir eu une belle soirée. Il y aurait eu pas mal plus de fun au karaoké douteux, c'est sûr. Merci d'être venu si rapidement. Ben, c'est correct. Je ne suis pas super bon pour prédire les morts. Oh, est-ce que vous êtes la fille du patient? Non, je ne suis que celle qui s'en occupe. Et voici mes enfants, Sarah et Tommy. Oh! T'es dedans? Et c'est pas exactement une job de 9 à 5. Fait que Johnny nous laisse vivre ici. Johnny. Je suppose que Johnny, c'est notre homme. Johnny. Écoute, si c'est un enfant qu'on est en train de... Si on est en train de parler d'un enfant, je pense pas que vous êtes ceux qu'on veut. Ceux que vous voulez. Non, non, c'est juste qu'il préfère être appelé comme ça. Johnny. Johnny, il est cool, dit Néo-Québec. Hey, pas de spoiler, toi. Il est en haut. Il a besoin d'un docteur. Viens avec moi. Et moi, j'ai deux docteurs. Il est écrit DR en avant de leur nom, fait que je sais pas si ça vaut pour des études, là. On attrape ça, puis on y va. Un jour, mon dos va briser, puis je vais te poursuivre pour l'assurance. Ouais, on pense ça. Il y a l'air Chris Machia, là. Oui, c'est ça le plan. Hey, ils sont disparus! Le premier à se rendre, il faut qu'il joue la mélodie. OK. C'est les deux enfants. C'est Tommy et Sarah. Ah, c'est pas fair, tu m'as poussé. Je l'ai même pas poussé. Toi, tu m'as poussé. Ouais, anyway, tu fais tout le temps les deux mêmes notes plates. Fin du jeu. T'es encore dans le générique. Oui, les graphiques sont très nice. Moi, j'ai pas besoin de ben plus. Le DS puis le Super Nintendo, c'est pas mal à l'endroit où l'imagination puis la qualité des graphiques se sont rencontrés, hein, à mon sens. J'aime ça que l'imagination soit utile. Comme quand tu joues, comme quand tu lis un roman, tu sais, y a pas d'image, mais c'est pas grave, tu t'en filmes. Mm-hmm. Ces enfants sont pas mal bons pour leur âge. Hey, t'as dit, you're the one who said there was no... Ah, t'as dit qu'il fallait pas perdre de temps. Et incidentellement, je suis celui qui transporte le poids d'un petit météorite. Ben oui, come on. OK, on y va, là. And I will sing a lullaby. OK, on peut parler à tout le monde. Ouais, parle. Il ne répond pas présentement. Mais d'après les apparences, il semble encore être vivant. Oh, Chris, il est sur le bord de mourir, c'est ça. C'est difficile de prédire combien de temps vous allez avoir, alors dépêchez-vous. Parfait. On peut aller parler à elle. Set machine down. Look around first. Bon. On va regarder. Ouais, ben écoute. Merci de demander, ouais. Il y a une autre porte, puis tout, là. Oh, des lectures de journaux médicaux. Bon, ben, OK, on part la machine. À moins lui, non. Oui, ça va juste prendre un petit bout de temps. Faut juste loader. Salut, MazoDX! Merci beaucoup. Oui, on l'a fait à l'Undra 2. Bientôt, on n'en parlera plus jamais. Est-ce que vous êtes conscient? Dans la forme. Que, ah, ben oui, le système électrique d'une petite. Ça sera pas assez, ben oui. Ne vous inquiétez pas, nous sommes les experts. Ah, zustre. Procédure standard. On ne fait que vous garder sur les réflexes aiguisés, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il faut?
Ouais, il va pas très bien. Selon moi, il reste une ou deux journées. C'est en mâche. Est-ce qu'on va transférer son âme dans une machine? You two can grant him any wish, hein? Ben oui. On peut essayer. Mais on réussit tout le temps parce qu'on est super hot. Alors, c'est quoi le souhait? La lune. La lune? La lune. Il veut aller à la lune. Ça donne bien, il y a Jupiter en arrière. Le geezer just keep on getting crazier. Ouais, les petits vieux, ils arrêtent jamais de devenir de plus en plus cinglés. Donc, vous allez pouvoir réussir. Ça dépend. Elle voulait dire oui. OK, on est bon. Ouais, donc tu étais là, ça va dans le client hier. Pourquoi ne nous parlez-vous pas? Un autre amateur de Lisa. OK, tout le monde a joué à ce jeu-là. Johnny, c'est un petit vieux. Dans les deux dernières années que j'ai travaillé ici, il a très peu parlé. Il travaillait comme un artisan la majeure partie de sa vie. Et sa femme, elle l'a abandonné en décédant il y a deux années. Les femmes, hein? Hey. Ah, c'est leur journée, d'ailleurs. Bonne journée à toutes les femmes. Ça il y en a qui disent que c'est la journée internationale des droits des femmes. Il y en a qui disent que c'est la journée internationale des femmes. Il y en a qui disent juste bonne journée à toutes les madames ou à tous les humains ou créatures qui se considèrent comme étant de sexe féminin. Je pense que c'est pas mal ça le mot. Et puis ceux qui sont aigris, c'est le 19 novembre, la journée des hommes. Fait que c'est correct. Ils peuvent avoir l'heure. Puis en plus, là, aujourd'hui, on change l'heure, puis on perd une heure, fait qu'on est loin de l'égalité, là. Mais en plus, c'est vrai, hein, on a enlevé une heure à votre journée de la femme. Ben c'est patriarcal. Si un dude qui s'identifie en tant que femme, ça compte-tu? Je te souhaite une excellente journée, oui. I would have known more if I were his paper boy for Pete's sake. Ah ouais, j'en aurais su plus si j'étais son paper boy. Camelot, en fait. Ouais, Camelot, c'est vrai. Fais juste ton affaire, ferme ta gueule. Tu comprends rien, c'est pas bon. Dans mes erreurs les plus pires, les rengaines. Ouais, c'est. Je suppose que si tu regardes dans la maison, tu vas trouver de l'information. Je suppose que Johnny, ça ne dérangerait pas parce qu'il vous a demandé, vous deux, alors que ce soit cela. Fait que là, il faut fouiller la maison. OK. Qui de nous deux va jouer au détective? J'ai l'impression que ça va être moi. OK. Player controlled. On peut choisir un des deux. Ben, c'est la journée de la femme. On va prendre la femme. Thanks for the offer. I'm busy. Merci pour l'offre, mais je suis ben occupé à laisser mon empreinte de cul sur cette chaise-là. OK, continue à faire ça. Tommy et Sarah peuvent vous montrer un petit peu partout. Ils doivent être au piano en bas. Ben oui. OK. Première affaire, je peux pas aller voir comme ça. OK. A painting of a lighthouse. Une femme qui tient quelque chose de bleu et jaune. Les femmes, hein, tout à tenir des affaires de toutes sortes de couleurs. Un animal de quelque sorte. Et de trois personnes qui ont l'air bien normales. And I will sing a lullaby. Pour une dernière fois, oui. Ah, il y a un cadavre, tu sais. Quoi? Tu veux aller voir les enfants? Ouais, c'est un jeu avec beaucoup d'écrits, hein? J'ai l'impression que vous allez m'entendre parler en esti. Faites votre travail de détective. C'est de valeur qu'on puisse pas le mettre en français. Oui, mais pourquoi t'es venu me faire? Ouais, en même temps, c'est souvent des projets d'une seule personne. Puis tantôt, j'ai vu, c'est un japonais qui a fait ça. Fait que déjà là, il l'a fait en anglais. Les japonais. Tchou-tchou! Ah oui, mais Chris... Ah, c'est peut-être lui, le docteur, en haut. OK. C'est un gars, lui, le docteur.
Ouais, poigne ça. Remote Patient Monitor. Ah! Ok, on peut activer le... Ok. On a accès au... Fait que pour moi, ça va être de... Bouche la toilette. Non. Ben là, ça m'a rendu curieux, son affaire de toilette. Là. Fait que je vais y aller, mais dans les erreurs des rengaines. Il y avait même pas de toilette. Ah oui, il y en avait une. Je peux pas boucher la toilette. Hein? Ah, c'est rendu bovine et la vraie vie des vaches en arrière. Je vais remettre l'astronomie, par contre. Ok, fait qu'on peut. On était dans le pâturage. Ouais. Plein de lumière. Fait que. Diarrhée explosive, tassez-vous. Oui. Ok. On va aller voir les kids, là. On va faire ce que le jeu nous dit. On vient de commencer en plus. Explosive. Diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. Yo les jeunes, qu'est-ce que tu veux? Montrez-moi la maison. Vous êtes Sarah et Tommy, hein? Ma mère nous a dit que vous pourriez me montrer la maison. Ok, peut-être qu'on va faire ça. Je pense qu'on a juste besoin d'être convaincu. Qu'est-ce que t'en penses, Tommy? Yeah, ils m'ont dit une boule ici. Qu'est-ce que vous aimeriez? On aimerait $1 trillion. Ou la canne de bonbons que notre maman nous cache. Oh, ouais. Top of the high shelf. Dans la cuisine, au sommet de la plus haute étagère, il y a une grosse canne à bonbons. Elle, maman nous l'a mis là pour nous convaincre de faire les tâches ménagères, aller la chercher. Et puis on va te montrer toute la maison. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, ok. On a déjà vu la cuisine en tout cas. Ma mère aussi garde les bonbons dans la plus haute étagère. Next to the stair. Ben voilà, on s'en va dans la cuisine. Laisse faire la canne, go avec le trillion dollars. Ouais, ben j'ai pas ça. The kitchen's at the other door. Mais non. C'est pas très... Faut se laver les mains, il y a le coronavirus pis tout. Ah ouais? Coronavirus... J'étais allé me pogner un sandwich au petit café là, au bout là. Là il y a un gars qui jasait avec le propriétaire du café. Puis il m'a demandé le plus sérieux du monde. Mais là, le coronavirus là, c'est-tu dangereux de boire de la bière? Fait que là je lui ai expliqué c'était quoi le coronavirus gentiment. Puis là il m'a remercié. Puis là, TVA hein? Oh, c'est... 4e cas probable au Québec. Puis la femme serait allée en croisière et puis pourquoi tu me racontes ça? La. Mon capote, esti, mon capote. Faut que j'amène une chaise. Peut-être que j'ai pas assez de café d'habitude. Usually I would have given up. Ah ouais, j'aurais abandonné, j'aurais trouvé une autre méthode. Ben oui, ben écoute. On a trouvé la canne de bonbons. Ça, c'est pas des bonnes calories. Ben ouais, je pesais ça. Hey. Bon, à date, le contrôle est un petit peu vaseux. Hey, lâche-moi toi. Que t'essayais de prendre le truc, mais ça te fait jump down, je crois.
Ben non, même pas. Il y avait le dessin de la porte, mais. En tout cas, c'est réglé. Ok, j'ai votre astie de canne, là. Petit Chris. Bon, venez. Si vous me donnez une visite de la maison, je n'éternuerai pas dessus. Dessus la canne. Ok, on commence. Je sais, il y a cette pièce drôle dans le sous-sol. Je n'aime pas cette drôle de pièce. Qu'est-ce que tu veux dire par drôle de pièce? Tu vas voir. C'est drôle! On a besoin des clés. Inside the book, in the study. In the study. Et là, je pourrais m'écrire des affaires. Dans le study, c'est quoi, c'est ça? What? Mais je suis vraiment intrigué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer sur la lune. Les autres voulaient que t'ailles dans le sous-sol. Non, mais il faut aller chercher les clés avant. Okay. Ils ont dit qu'il y avait des clés dans un livre à la study. Puis la study, je pensais que c'était là, vu que c'est la seule place que j'ai vu des livres d'après. Là. Faut pas aller dans cette chambre-là. Mais notre lit est là, puis on peut même plus dormir. Je comprends ce que vous vivez. Peut-être c'est ici le study. Hein? Il y a des livres. Ça clique pas dessus. C'est ici. Je sais pas, c'est pas moi qui ai vu. Je pense que oui. Ça, c'est la cuisine. C'est le réglé. Dans le sac. Mais sûrement, il y avait vide à attendre. Il me semble que les deux places ici, c'était comme des toilettes. Là. Allons. C'est la pièce des livres, la clé vers la Nantucket Book on the Upper Shelf. Tommy me lançait des livres, puis appelait ça des book fights. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en lui lançais un autre, puis là, il a eu besoin d'un pansement. C'est une victoire. Ouais, El Corbeau. Ah, voilà, c'est El Corbeau, son nom. Hein. Quand il m'a proposé ce jeu-là, il avait vraiment envie de m'entendre parler. Hein. C'est juste des livres. Je vous abandonne. Hey, merci Caro d'être passé. Bonne quête jusqu'à la lune. Ben oui. Bien. On sait pas trop encore c'est. Bye. Demain on va avoir. Veux-tu le veux là? Demain on va avoir Gaston Lepage à 70%. Ouais, t'es fou! Mais hein! Oui, de passage. Oh! Oh! Ça, je sais pas si ça me donne de. Ok, ça parle d'origami. Ok, on fait. Ouais. Ah ouais, hein, pour le grand maître de l'origami, il faut que ce soit 42 moves. Wow. Dans la plupart des tournois d'origami, les coupes de ciseaux. Hey, à demain! Sont considérées trichées. Uppercuts are deemed legal. Je sais pas c'est quoi des uppercuts. This girl, disease, rite de passage, maybe another year. Bon! Vous allez-tu lui faire relever des défis? Je pense pas. Je veux juste d'être là. Ouais, je pense que c'est ça le défi. Je me demande si Johnny a réellement lu tous ses livres. Là. Ça va dans Funny Room. Funny Room. Ça, c'est dans le sous-sol. On joue à la cachette ici. Faut qu'on allume la lumière avant de s'enfarger dans quelque chose. Ça me semble logique. Ah, il y a un coffre. On trouvait toutes sortes d'affaires ici. Des vieux livres, des vieilles crodières, du vieux fromage. Nomme-le. Ah ben, Chinook is in the air! À la journée des femmes, là, ça veut-tu dire que c'est le bon moment pour faire des jokes de blonde?
Hein? T'as pas trop répondre, hein? C'est ça, hein? T'as fait 15 minutes d'Alundra 2, imagine. Le gars de 70 ans qui a sûrement dû jamais jouer à aucun jeu vidéo, quand il demande d'avoir du plaisir avec Alundra 2. Ben, c'est comme dans une grotte ici. Ben oui, regarde, là, on voit qu'il y a la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est plein de petits lapins en origami. Ils nous ont préparé. Une boîte à musique brisée. Ah, toutou. T'as un ornithorynque. Pocket. Ah non. T'es j'aurais pu le rasseoir. Ouais. Parce qu'après l'avoir poké. Fait que je peux pas aller nulle part parce qu'il y a plein de lapins en origami. Ah, mais il est creepy, Johnny, un peu. Fait que c'est ça qui s'est passé. Il y a une pièce dans sa maison parce qu'il y a plein de lapins en origami. Le concept du boss final d'Alundra 2, très unique. En fait, les deux premières phases, c'était un petit peu comme le dernier boss du 1. Il y avait une place où je pouvais même pas me faire toucher. C'est que c'est niaise. Mm-hmm. Rien. Le vieil homme ne voulait pas que personne aille à l'intérieur, alors on y a jamais dit. OK. Il y en a plus. Où ça? Dans le fort abandonné, juste l'autre bord de la falaise. Tu vas aller voir, on a les clés. Vous n'êtes pas supposé aller là non plus. Ça me rappelle de ne jamais vous amener à la maison de Neil. Fait que vous voulez aller voir la maison. Il fait froid dehors, mais... Ben oui, on va aller voir... Wait for machine. On va aller voir le fort. OK, on y va, là. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur les lapins. Allons voir le vieux phare. C'est ça qu'on fait. À tout de monde sur Douteux TV. Il faut sortir. Take me to the amongst the stars. Ye old lighthouse. Il dit beyond the cliff. Fait que... Faut qu'on aille au sud de la rue et prendre l'eau. Ah, bon, misère. Ah, j'ai oublié le parachute. OK. Ça s'en va loin. Est-ce que l'on va revoir Nounours un jour? Ben oui, il est juste là. Salut Nounours. C'est vrai que ça faisait longtemps. Il est tellement gentil. Oh non! Oh non! Ah! Il y a quelqu'un qui a brisé ma roche gonflable. C'était pas mal niaiseux. Ouais, mais c'était la meilleure niaiserie. Bon, c'était la meilleure balloune de plage concept que j'ai eu. Qui aurait pu être si cruel? Bon, regarde, je vais t'en acheter un autre. Non, achète-y en pas un autre. Ah, tu vas m'en acheter un autre? Ben oui. Mais faut qu'on avance, là. C'est ça. Ah, des écureuils. Ça fume. Ah oui, l'autre imbécile. Qui est l'imbécile qui a craché l'auto? C'est pas moi. Il fait pas mal sombre ici. Est-ce que vous avez peur, les enfants? Ben non! On est tout en train de le roleplayer. Tommy est un super puissant chevalier et je suis une magicienne. Ben oui, on détruit le mal. Ah, OK, c'est bien. Est-ce que tu fais du roleplaying toi aussi? Ben oui, samedi prochain, on fait du questing. Non. Elle est pas assez cool pour faire ça, anyway. Hey, je pourrais si je voulais. C'est juste que... Regardez, les enfants. OK. C'est pas le fun, on fait du questing. Checker un cadavre, là.
qui a écrasé l'écureuil. Non, c'est pas moi. Ah, toi, c'est ça ton réflexe, t'amènes des enfants à marcher en plein milieu de la rue. Ouais, c'est eux autres qui ont dit qu'il fallait aller là, il fallait au sud. Ouais, mais je pense. Au sud de la rue. Au sud de la rue. Je pense qu'il faut que t'ailles à l'autre place que tantôt ils t'ont dit, c'est pas par là la maison. C'est pas par là la maison. Voilà. Ah ouais, quelque chose qui dort. Un écureuil qui dort! Un squirrel! Ah ouais, un écureuil qui dort. Oh non! Oh non. C'est un monstre terrible, un squirrel gun. Wow. Ne vous inquiétez pas les enfants, je vais vous protéger contre l'écureuil. Ah ouais, hein, c'est rendu roleplaying. Volcanic Jump King. Whirlwind Slap, I'm Rigged Down Fist. Chou. Ça fait juste ton soulier. Tu vas mourir, Squirrel. Yeah! Arrête ou on dit à ma maman que tu abuses des animaux, elle va appeler les polices. Quoi? C'est juste que je ferai pas. Est-ce que t'as dit roleplaying? Yeah, ça a marché. Tu devrais avoir honte. Ben ouais, mais Chris, on va l'appeler Teddy, ok? On oublie que ça, c'est arrivé. Avec le jeu, il nous a trollé, il a fait semblant. Ah ouais. Cui, cui. Oiseau. Pip, pas à Lundra, effectivement. Mm-hmm. Je me rappelle l'époque de la bine et la boussole, le bon vieux temps, oui. Oui, c'est ce qu'elle s'est rendu pour toujours. Un vieux souvenir moche. Hey, attends un peu. C'est quoi ça? Quoi ça? Ça? Ah, en mémoire de Riverie Wiles. River Wiles, est-ce que c'était pas la femme de Johnny? Je le sais pas. Ah ouais, on va dans le lighthouse. Il est juste là. Encore plein de. C'est là! Pain de papier multicouleur. Ce n'était pas là quand je suis venu la semaine passée. Ah oh, ouais, Johnny a dû venir ici avant de tomber malade. C'est le seul avec deux couleurs. Le seul. Tu sais, ça a l'air plus difficile à faire qu'on pense de l'origami. C'est un drôle de passe-temps, par contre. C'est vrai. Oh, c'est mon téléphone. Dans le fond, tout ce qui est pas du Magic puis des jeux vidéo, c'est un drôle de passe-temps, vu que tu pourrais être en train de faire du Magic puis jouer à des jeux vidéo. Est-ce que tout est prêt? On a le droit de savoir, tu sais, on peut pousser un petit peu. Peut-être même descendre un petit peu, voilà. Est-ce que tout est prêt? Je sais pas, man. Ok, je m'en viens. Bravo. Pourquoi est-ce que t'as une sonnerie de téléphone épeurante? Parce que ça fait peur aux monstres. On retourne là-bas, on repogne le Paper Rabbit. Fait que là, si j'ai bien compris, dans notre inventaire à date de gros combat, on a des Armageddon machin. Et puis ton chou, tu peux utiliser ton soulier. Ouais. On a un moniteur de cœur de choses. C'est vrai, on a ça. Why don't you be late by another half an hour? Pourquoi t'essayes pas d'être en retard pour une autre demi-heure? C'est pas comme si on avait un client en train de mourir, là. J'ai été prise par quelque chose. Ça s'appelle notre job.
Aïe, à descendre tes grands chevaux, là. J'ai été en retard juste une fois, puis toi, t'arrêtes pas d'en parler. Au moins, tell me we're good to go. Au moins, dis-moi qu'on est prêt à y aller. Bien sûr qu'on est prêt. Je suis compétent. Je. Ton casque est sur le couch. Le couch. Mon casque est sur le couch. Tu sais ça? Sur le couch. Il n'y a pas de couch. Il n'y a pas de couch. C'est ça le couch? Non, c'est un bunk bed. C'est le lit des enfants. Pas encore les crises de lit. On va voir. Ouais. Chop chop. Ben, il doit être dans une autre pièce, I guess. C'est ça le couch. Hein? Initiate. Boy. Il aurait pu avoir un petit indice. Il aurait pu le mettre sur le lit là aussi. Oh, j'ai de la bouffe! Un patin bleu et jaune, yes. Comme le tableau, bien vu! Bon ben, on est rendu dans le futur, je vais en profiter pour aller faire pipi pis tout, là, j'ai oublié de faire ça avant de commencer. Vous avez le Chinook qui est en train de vous manger d'en face, c'est une tradition, hein? Non, ben ouais, tu peux appeler ça comme ça. Ton karaoké, toi, tu l'as vécu comment? Je pense que ça s'est bien passé. J'étais un peu nerveux au début, je le sentais pas. Puis finalement, j'ai pris des tunes qui convenaient bien pour ce soir-là. Mm-hmm. Pas trop forcer ma voix, prendre du chill. Puis je pense que ça a été. Je pense que j'ai bien fait ça. Ah, j'ai trouvé que t'as bien livré. C'était du bon chinook, là. Mm-hmm. Ouais. Il y avait du monde surprenant, pareil, hier. Ouais. C'était une belle soirée. Je pense que c'est pas mal d'un des meilleurs karaokés à date, ça, non? Ben oui, mais j'ai ce feeling-là aussi. Point de vue nombre, pis tout. C'est... Ouais, pis énergie aussi, le monde était vraiment dedans, pis ça chantait pas mal, pis... C'était bien cool. C'était refaire. Ouais. Le monsieur qui a... On a même eu notre monsieur qui... Notre mononcle qui chante du Éric Lapointe. Ouais. On l'a eu bien comme il faut. Ouais. Lui, c'est drôle, c'était un ami de Guy, je pense, ou en tout cas une connaissance à Guy, qui venait juste boire une bière, puis il savait pas qu'il y avait un karaoké, finalement. Il a chanté une toute de bière. C'est bien parfait, ça. C'est ouvert à tous, ça. J'ai comme la narine qui me chucote depuis hier. On va passer au travers. Peut-être pas. Un petit peu de Justin. Sans répit. Let's go. C'est peut-être aussi un araignée extraterrestre qui s'est faufilé dans ton nez. Style, faire des bébés extraterrestres, ouais. Araignées. Hein. Ouais, puis là, ils vont prendre possession de ton esprit, genre, un peu comme dans le film, là, Les Enseignants. Merde. Les Enseignants. Ouais. C'était Quentin Tarantino qui avait fait ça. Oh, c'est ça. Oh, ça devrait être la dernière mémoire accessible. On enlève le speech pour tout, sauf pour Johnny. C'est fait, on court après. Tu peux voir ta position dans le temps. Ok, parce que là, on va peut-être pouvoir aller chez jeune Johnny. Là. C'est pas bien weird ce jeu-là. Fait que là, le but, ça doit être de retourner dans les mémoires récentes. Down the Simpsons.
t'es dans la pièce. Peux-tu bizarre, changer hein? Le temps, hein? Non, c'est juste informatif. Okay. Ouais, plus tard. Mais c'est quoi ce jeu-là? Tout de monde. Mon ourson s'appelle Nonours. À cause de Gorgeous. Dans les. Fait que c'est quoi qu'on fait? Ben, je vais aller vers le phare, parce que c'est là qu'il y avait un cul-de-sac, puis après ça... Ouais, faut que tu redescendes jusqu'à la rue. Mais pourquoi que le vieux, il aurait un souvenir de la rue? Ben, c'est parce que pour aller au phare... Ah, voilà! Johnny... Salut, Lompré! Ben... Ah, c'est couché tard, hein? Ah, toi aussi, t'es scrap! Tout un peu scrap, je pense. Mon nom, c'est le docteur Eva Rosalène. Et ça, c'est le docteur Von Materon. Le docteur Lorenzo. Lorenzo. Oui. Docteur Neil Watts. Est-ce que tu es familier avec l'agence Sigmund de Génération de Vie? Ah, vous êtes de l'agence. Comme c'est cool. Je pensais justement à vous appeler. Est-ce que tu veux aller me chercher du thé, Lily, s'il te plaît? Lily? En fait, vous nous avez déjà appelé. Oh! Nous sommes ici pour remplir notre contrat du relatif futur. Faites attention, si vous glissez en bas de... Ouais, il va falloir reloader la mémoire. Ouais. Faites attention, un peu de respect. Ben, c'est juste un programme. Je le sais, mais c'est sa dernière mémoire accessible et on a besoin de sa coopération. Au pire du pire, on peut le rebooter. Pourquoi tu veux perdre du temps comme ça, toi? Pas pire ça comme concept, faut parler aux mémoires. Vous êtes là pour m'amener à la Lune? Oui, John. Oui, mon John, on t'amène ça à la Lune. Donne-moi 20 minutes, là. Ouais, je suppose que j'ai eu une belle vie, mais ouais. Pas assez bien. Voyons, un style d'assaut, tu fais là. Can you take me to the moon? On peut pas, mais toi, tu pourrais peut-être y aller, ok? Pourquoi tu veux aller là? Je ne sais pas. Ça brille, c'est là tout le temps. C'est correct, tu peux nous le dire, c'est essentiel si tu veux qu'on t'aide à aller là. Tu veux de la célébrité, de l'argent. Tu as besoin d'une motivation. Je m'excuse, mais je sais juste pas. J'ai juste envie d'aller sur la Lune. Un vieux monsieur mourant, peux-tu bien avoir le droit d'avoir envie d'aller sur la Lune? Mmh. Si je mets un ours là, il va être là pour tout le temps. Qu'un point. Ouais. J'ai l'impression que ça va être difficile, qui dit. Ce nonobstant, Johnny, voici ce qu'on va faire. On a besoin de se rendre jusqu'à ton enfance, mais c'est trop loin pour y aller d'un seul saut de mémoire. Donc, il va falloir qu'on traverse au travers de toutes tes mémoires pour se rendre graduellement vers les plus vieilles. Permission que tu nous as accordée dans le futur qui s'en vient. Quand on arrive au waypoint... quand on arrive au bout de ton enfance, on va revenir ici. C'est là qu'il va falloir que tu nous aides à influencer ton enfant pour que tu deviennes un astronaute. Ou que tu embarques sur une catapulte géante. Le point est que si tu veux avoir plus à dire que juste je ne sais pas, as long as you can take me to the moon, si vous pouvez m'amener sur la Lune, je vais coopérer de toutes les manières. Oh, c'est quand même rendu mindfuck un petit peu. Ouais. J'ai pas ça. C'était dans le passé, genre 2 ans plus tôt, à ce que je comprends. Oui, si j'ai un petit peu le feeling, mais c'est pas vrai, pas 2 ans plus tôt, parce que c'était la fille, la mère de Tommy puis Sarah qui était là, puis elle est là depuis moins longtemps que ça. Sa femme est morte à ce moment-là.
On a besoin d'un item qui est important pour toi. Est-ce que tu as un memento de quelque sorte que ce soit pour nous aider à commencer? Mais sûrement l'ornithorynque. L'origami, peut-être. Un dildo. Ah. Ça va faire. C'est That'll bien. Do. Les dames d'abord. Ah oui, c'est le 8 mars. On a trouvé les notes de la lune. On va préparer ici. Ben oui, Pooper. Certains, Pooper. Oh. Wow! Sigmund Corp! Complete the memo. Memento of your peace and schlubber. Ah, c'est un petit puzzle. Bravo! Je suis super bon. On peut maintenant activer le souvenir. Un bon plug, voilà. Moi, y aller, moi, tout, ça la lune un jour, ce serait le fun. Moi, être le président du monde, je m'arrangerais pour qu'il y ait un ascenseur dans l'espace, puis tout le monde autour du début de l'adolescence irait là. Juste aller faire un tour dans l'espace pour voir la Terre, là, puis gars, c'est ça. C'est pas plat. Il y a rien d'autre plat. Que ça. Hein? On prouvait à tout le monde que la Terre est ronde. Là, c'est quoi que je. Quelle intéressante. Pour écouter ce qu'il fallait que je fasse. Et en ce que je pouvais accéder, je vais retourner à ma chaîne. Mais t'es dans quel. Hey, salut, Dr. Barbaillon. Salutations de Kyoto avec des globos. Oh shit! C'est les premiers globos de la journée en plus. Merci, ben ouais. Mec. Il est à Kyoto, c'est quand ben même. Ouais, il avait dit qu'il déménageait, là, pis tout, là. Ah ouais, hein? Ah, ouais. On est rendu avec un ami à Kyoto. Ouais, ma chérie. Ok, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Ah, bizarre. Ah, mais là, il est en vacances à Kyoto. Ok. Note. Item. T'as un paper rabbit. Là, t'as fait prepare, puis ça t'a fait le memento. Oh. Ouais, mais c'est quoi que je fais? Ben, peut-être que tu peux juste. Allez. Oh, ah, peut-être que là, c'est là, tu peux aller en haut, peut-être que tu peux cliquer. Genre, non, mais je parle dans ton bar. Là. Le petit truc qui apparaît en haut de ton écran là quand tu mets ta. Ah non, ça t'a juste fait monter en haut. Ok. C'est vraiment bizarre tout ça. Si un ascenseur dans l'espace, on va-tu pouvoir reprendre le contrôle de nos chemtrails, Tommy? C'est sûr. Le premier but, c'est de reprendre le contrôle des chemtrails. Ben, faut que ça soit du domaine public et qu'on mette du bon fluor là-dedans. Exact. Pour du être fluor bien manipulé. Fait pour chez nous. Pas du moins, voilà, du. Hey, fais attention, mon ami. Bon. C'est du fluor d'ailleurs. Ben, pas la même affaire. Il est moins bon. Il y avait des petites flèches pour me dire où aller avant. Le notre fluor, c'est le meilleur fluor. C'est vrai? You can now activate for traversal, ok. Peut-être que tu vas y parler. Retourne voir le vieux. Quoi, à propos de ma privauté, on va essayer de rien violer qu'on peut éviter. Mais dans la majorité du temps, on peut pas faire grand chose. On fait notre possible. Toi qui as accepté qu'on aille se promener dans ta tête, bonhomme. C'est ça. On aime bien ça, pis tout, là, le vieux, pis tout, là, mais. Oh, tout, là, si tout, boire. Pas trop cinglé. C'est donc bien creepy. Sa femme est morte, là, probablement. Turn off visibility. It'd be messy to be seen. OK, fait que là, on est invisible
Et on ne peut pas interagir. C'est quand même une bonne crosse. C'est quoi à propos de tous ces lapins-là? Oh, c'est tous les enfants qu'il n'y a pas eu ou tous les avortements qu'il y a eu. On aurait peut-être dû regarder son file pour des problèmes de psychopathie avant. Est-ce qu'il m'a entendu? C'est un poche d'agage. C'est probablement juste une partie de sa mémoire. Bon. Faut qu'on trouve un objet pour... OK. Five Memory Links. OK, OK. Ah, ça a l'air de ça. Bon, on va le faire en haut. On a un. Donc, if we have to explain, si on faut qu'on explique notre présence, lui, à chaque étape, ça va être vraiment lourd. OK, OK. Oh, les légendes qu'on connaît tous. Au pied de son lit, il y a quelque chose. Effectivement. Des olives, j'haïs ça. Qu'est-ce qu'on a à lire alors, hein? On est tous dans la pièce ici, j'ai l'impression. C'est comme 1 million d'années vieux. C'est ça, un petit descendre là. She knows gotta be defeated. Turn about, she knows she knows. Ça va sûrement être le parapluie, ou peut-être dans un autre. It doesn't she knows. Et voilà! Le puzzle est résolvationalisé. Memory link established. Established. Oh, memento, c'est le umbrella. Under my umbrella. Elle. En dessous de mon parapluie. Hadouken. Ah, pareil comme dans Sonic the Hedgehog. Qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Ah, ciao, Barbaillon, à la prochaine. Ah, ben oui, bon voyage, bonne vacances. Salut, Rambo 1912. En tout cas, juste avec tout le porc que je viens de manger là, je suis en enfer, c'est sûr. L'enfer juif. Chino qui m'a nourri. Il y a une même, Chino. Ce qui est bien avec l'enfer, là, c'est qu'on peut manger du porc. Bip boup, bip boup, boup. Activate. Salut, Grey Fox on the Run. On est en train de faire To the Moon. On m'a dit que c'était un jeu qui avait été fait avec quelque chose, là. RPG Maker. Ça, là. Quand il pleut. Through is better than unto. OK. Passer au travers, c'est mieux que de rester dessus. Ça me dérange pas, ni l'un ni l'autre. On dirait que les mémoires... ouais, que les sauts mémoriels ne font qu'une petite période de temps. On a besoin de trouver un autre memento où ça va prendre pour toujours. On peut-tu comme relaxer, là, hein? Take your time. Oh. Un autre stuffed toy platypus. Honnêtement, je pense pas que cet animal-là a le droit d'exister. Ouais, il n'aura plus bientôt. Je pense, que c'est son enfant qui est mort. Le livre de River E. Wiles. On va en apprendre plus avec le temps. Hein? Je pense que oui. Faut qu'on va rentrer là-dedans. C'est un concept intéressant quand même. Comme toi, je vais pouvoir regarder ici tout le temps.
elle ne sera plus seule. Peut-être que je comprendrai jamais, mais j'ai respecté ton souhait et je suis sûr que Anya est grateful. Oui. Elle est contente. Mais qui va nous surveiller, Yé? Un petit périple, ce moment-là. Je pense que dans pas long, je vais aller faire un tour. Au Burger King. Chercher deux sandwichs pour 5$. Non, mais si j'en veux du Burger King. Tu fileras du cash, puis je vais le ramener. Ok. Attention, là, l'ours. C'est hot là, c'est deux sandwichs au poulet junior avec une petite frite pis un liqueur. 5$. Non mais moi je veux deux sandwichs, je veux pas avoir de frites pis de liqueur. C'est parce que c'est ça. On m'en donnait un à Chinook. C'est en trio, tu sais, fait que là, le spécial il est juste. Mais tu me diras ce que tu veux. Je veux avoir deux sandwichs, n'importe quel. Ok. Mais. Tu comprendrais pas. Je comprends même pas. Moi-même. Oui, il paraît que le jeu est fait avec chose. RPG Maker 2000. C'est ça. Peut-être pas le 2000, mais en tout cas. Probablement pas le 2000. Non, je faisais comme si je regardais, là. Ok. Ce qui se passe. On a les notes d'Anya, ok. La misère en calvaire, c'est comme la rage dans une cage. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. T'as à peu près temps que t'arrives, j'ai eu l'impression que t'avais tombé en bas du... Qu'est-ce que tu crissais? Moi, je regardais le paysage. Grosse. Très grosse chance. Dinosaurienne. Ça allait pas mal vite. C'est un phare de qu'est-ce que t'espérais? De toute façon, je vais t'attraper de l'autre côté. Je te souhaite du plaisir à rebreaking the barrier for yourself. À rebriser la barrière pour toi-même. Bon, ok. Quoi? Il en manque deux, là. J'ai trouvé un. Oh! Petit vieux! Ok. Faut que tu répares le memento. L'autre docteur est vraiment fatiguant, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah ouais, le personnage, je ne trouve pas si attachant. En trois coups. En trois coups? Ok. Ouais, c'est ça. Platypus. J'ai entendu un bon. On s'en va dans le passé. Active! Ok, c'est pas que chaque. Juste assez. C'est pas que chaque face. Chaque bonhomme est. Il n'y a pas comme 6 étapes différentes. Ouais. Je vais mourir. J'aime pas ça quand tu mens. Grand gain. J'ai calculé nos finances. Je sais de quoi ça a l'air. Pourquoi est-ce que tu essaies de me convaincre contre ma volonté?
On a besoin de l'argent pour vendre, vendre ton rein. Non, je comprends que Anya veut beaucoup dire pour toi, mais ça, c'est juste trop. Je veux dire, elle n'est même pas. Tu sais ce qui me rend heureux, Johnny? De que c'est? Est-ce que tu sais? Ben oui, je sais. Je fais juste espérer que tu peux venir avec moi. Rivière. Quand les papiers pour mon traitement arrivent, je ne les signerai pas. Ce que tu fais avec notre argent, ça sera toi qui décides. Ça va être bien caresse. Un cadeau, esti. Mais si tu m'accordes mon souhait, je veux que tu utilises l'argent pour finir de bâtir la maison. Bon. Et puis après, chaque jour que tu vas habiter là, je veux que tu la surveilles, elle. Que tu lui parles, elle. Que tu la visites, elle. Que tu la réconfortes, elle. Je veux pas qu'elle soit toute seule. Puis à propos de toi, fuck that, c'est... Content. Je vais être contente. Okay. Johnny, quoi? J'ai fabriqué ça. C'est une affaire bleue et jaune. Quoi? Fais juste me dire c'est quoi? Des lapins partout. C'est un lapin comme tous les autres que tu as fait. Et quoi d'autre? Il est fait en papier. Quoi d'autre? Son corps est jaune, le reste est bleu. C'est bien! Quoi d'autre? Il est tabarnak. Écoute, Rivière. T'es charade. J'ai parlé longtemps, là. J'ai écrit une chanson pour toi. Oh là 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 là, ok. Est-ce que tu veux l'entendre? Ok. T'avais pas à amener le piano ici pour ça. Je peux t'entendre avec la porte ouverte. Ça s'appelle Pour la rivière. Pourquoi autant standard? C'est juste parce que tu es putain. Une tonne de Madness Rain. Est-ce que ça serait drôle? Social fucker! Ben oui, la toune est importante. Il taught them. Ouais. You know what? I'm too manly for this. I'm madding on. Je suis trop viril pour ça. J'ai déjà les liens de sa mémoire. Tu veux embarquer avec moi ou. Oh oui, on peut y aller. C'est lui qui est important. C'est pas que moi je réussisse les. Okay. C'est ça le but, là. Ils l'ont collé, c'est de retourner jusqu'à son enfance pour trouver. Faut qu'on le convainque de devenir un astronaute dans sa mémoire.
T'es en train de faire un Inception. Ouais. Mais pas tout à fait Inception. Ouais. Là, tu sais que ça, la maison est en train de se faire baptisationaliser, est-ce que... Ouais, ils ont vu la falaise puis ils ont dit, me semble qu'il manque de monde qui vivent dessus. Hein. C'est pas assez dangereux s'il y a pas assez de monde qui vivent par-dessus. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça. Ah ben, Pépé, il travaillait fort. Nick a appelé et il a dit que je devrais viendre. Amener des olives marinées, c'est tes préférées, des olives marinées. J'ai entendu à propos de rivière. Va-t-elle être correcte? Ouais. Mais elle s'est fait diagnostisationner. Au moins, c'est traitable. Mais les billes médicaux, ben oui, c'est bien fait, ça. Ouais, t'es à 20 000 piastres d'être sauvé, ben oui. On peut pas finir cette bâtisse, puis tout. Je peux même à peine payer pour son traitement, puis tout va mal. Je suis contente qu'elle va être OK, mais tu sais... Tu réalises pas à quel point ça vaut. Ben ouais, elle va être heartbroken. Ben c'est mieux d'être heartbroken que mort, c'est ça. Mais ça va, c'est pas ça le choix qu'elle a fait. Ben con. Ben. Ouais. Ben là, il y a un manque d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, ça va ton tour à l'autre, là, de nous manger. Ah, le petit bone! Le petit bon, il a chanté hier au karaoké, là. Au moins une fois. Mm-hmm. Mais c'est beau. Tout un duo. Mais, hein. Je suis allé m'asseoir juste en avant, je voulais manquer aucune seconde. Mon bon à moi. Faudrait pas lui mentir. Ben non, tu comprends rien, Isabelle. Tu comprends rien. La soupe wonton. À Chinook. Chinook, il nous nourrit en tabarouette. Tabarnak. Ouais, ils aiment pas, c'est... Si elle décide de sacrifier pour la place, ça sera ça, si c'est ça qu'elle veut. J'aime vraiment pas que vous autres, les personnes toutes pareilles, vous pensez que vous savez c'est quoi qui est mieux pour les autres. Je déteste quand tu m'appelles de même, Croze. Do you think this is all about her? Est-ce que tu penses que c'est tout à propos d'elle? C'est tout. Quoi à propos de After all these years, am I not allowed to be selfish? Après toutes ces années, je devrais bien être égoïste, avoir le droit d'être égoïste une fois. Je veux pas être seul, Isabelle. Je vais pas la laisser mourir, c'est arrogant. Je m'en calisse. Où c'est que tu t'en vas? Je vais aller ramasser quelque chose à la falaise pour lui ramener. Ça va lui redonner un petit peu de confort. Mm-hmm. C'est la fleur. Ça fait pas ce que t'es en train de faire moins grave. Nick voulait que je te donne ça. Je me tape dans la face, ça. Il paraît que ça s'appelle Tout est correct. Tout est correct. Mais c'est pas ça qui se passe.
Ça serait sûrement tough faire ce job-là. Ouais. Le job des personnages qu'on est en train de faire. D'aller dans la tête du monde. Ouais. Ok, le pot de pickles va être. Music box. Elle peut-être. Non. Mais juste genre ramasser des mémoires pis t'es bête. J'en t'ai. Oh shit, hein, fallait que je sois toujours pick-up pis c'est devenu un souvenir. Wouh, souvenir de pick-up. Journée de. C'est les meilleurs. La raide de sa vie. Bon. Ah, petit ouais. Bone. Tout le monde mange, je me donne faim. Je vais. Ah, tu vas chercher de la bouffe? Ouais, monsieur. Un peu. C'est bon non plus. Ça fait déjà. Sans répit. Pour savoir combien il y a. Ouais. Tu m'as donné combien, t'as mis, c'est ça? Ok, je te ramène les deux sandwichs à 5$. Ouais. Ben, c'est deux sandwichs pour 5$. Les deux sandwichs pour 5$. C'est ça. N'importe quel, là. Ben, c'est. Non, mais c'est tout le temps les juniors poulets, là. Ok, ça, là. Ben, je pense qu'il y a des authentiques sandwichs au poulet aussi à 2 pour 5$. Il est différent, là. Authentique. On va checker ça. Ça va, McDo. Check ça. Ça va, Burger King. Ah, oui. Magique. Ça répit. Non, ça va. Il y a quand même beaucoup de. Ok, bah, je viens dessus de toutes les points. Quasiment le premier envie d'un petit junior. Non, il faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. C'est en graisse. De toute façon, toi, t'as dit que tu allais me donner un sandwich, c'est ça? Oui. Ah, bah c'est ça. Faut que je me retiens. Tu te retiens, mais t'acceptes les autres. Ouais, je viens de me bourrer à la face. En plus, j'arrête pas, man. Je pourrais manger. Là. C'est pour ça qu'il faut pas que j'arrête de m'entraîner, sinon là, je le sais, là, je sens, là, je vais devenir, genre, je vais prendre deux fois mon poids. Bon! Oh. Memory links may also be acquired from exploration, bon, c'est ça. C'est-à-dire, va partout, parle à tout le monde. C'est un des plus grands plaisirs de la vie, ça, pareil, manger. Ah ben, c'est ça. Ok, 3 c'est le minimum. C'est quand même assez facile. Non! Ah oh, non! Non, je vais recommencer! Quand je clique là, puis il se passe des affaires. Fallait juste que je pèse. Je pensais que c'était ça ici, la diagonale. Faut commencer à quelque part, hein? Un bol d'olive! Le gras, c'est la vie. Est-ce que tu connais ça, ouais. Dieu? Sans répit, vainqueur des défis. Ok, ça rajeunit. Dans le fond, c'est plus comme un roman audiovisuel. À chaque étape, ça fait juste jaser. T'as-tu tué des... Des bestiaux à la date, là? Non. C'est arrivé une fois qu'il y a eu comme une joke. Ils ont fait comme s'il y avait un combat qui commençait, mais il n'y en avait pas. Ah! Ouais, on est tête dans les finances, il a fallu partager, mais avec le financement, on va réussir. Ah, c'est donc bien le fun. Avoir votre maison de rêve sur une si belle, un si beau terrain. Pis t'as eu, vous avez eu votre mariage à ce phare qui est juste après, qui est juste à côté plusieurs années avant. Ce n'est pas tout ce qu'il y a de spécial à propos de ça. On a une très longue histoire avec cette place, avec les doigts. Ben c'est le fun d'avoir quelques nouvelles.
d'avoir des bonnes nouvelles à nos rencontres pour une fois. Bravo, congratulations, cheers, cheers, cheers. Ouais, ça en passe des affaires, hein? Le Corbeau nous a proposé un jeu touchant. Mais pour moi, il voulait m'entendre parler, là. Bon, ben, ça fait longtemps. Ben oui. Ah, j'ai sorti mon BSEC aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu ça dans le corridor. Ouais, oui, il prend toute la place. Pour la journée sûr, de la femme. Vous voyez bien. Oui. Ben oui, ça parle à la maison avec Isabelle. Elle est juste pas habituée à toi. Ben non, c'est moi le méchant. Hey! Did you tell River that thing from back then? Est-ce que t'as dit à Rivière cette chose du passé? Je lui ai dit, puis comment qu'elle l'a pris? Ben, la majorité, elle l'a bien pris. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Depuis l'accident, elle fait des lapins tout le temps. Des lapins? Ah oui, des lapins en papier, il y en a partout. Je faisais des origamis pour ma fille tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Je pense pas que c'est la même affaire. Elle fait rien d'autre que faire le même lapin toute la journée. Notre maison est maintenant remplie de lapins. Est-ce que Isabelle t'a dit que c'était quand même fréquent comme trait avec les gens qui ont la condition de ta femme? Oui, mais il y a quelque chose qui ne semble pas correct. Quand je lui demande, elle répond pas. À la place, elle prend un look distant dans ses yeux. C'est comme si elle voulait quelque chose de moi. Puis la chose étrange, c'est que j'ai l'impression que je lui dois quelque chose. Est-ce que tu as demandé à Isabelle? Oui, elle dit d'en parler avec elle, mais j'ai rien réussi à avoir. Abandonne. Ouais, ben je suis pas un qui je vais te dire ça, là. Je te connais depuis la petite école, pis c'est ton genre de trop penser à quelque chose. Fais-toi-en pas, tu fais seulement juste imaginer des shit, des rengaines. Quand quelqu'un dit ça d'habitude, il y a tout le temps quelque chose de pas correct. Mais je vais te donner le bénéfice du doute. Rien comme une bonne rengaine. Une bonne rengaine. Probablement, je suis tout le temps raison. Attends, fait que lui-même, il sait pas c'est quoi le but des lapins. Ouais. On oublie les stupides lapins, on a des plus gros problèmes. C'est une mémoire confinée et il n'y a aucun memento. Peut-être qu'on peut en pogner un de lui. Laisse-moi là. Je vais juste aller voir le bartender. Ok, il est ici. Hey, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Allô? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'olive? Cash ou crédit? Chèque. On prend pas les chèques. Mais mets-le sur mon bill. Attends un peu, ça veut-tu dire que t'as aucun argent? Toi, tu vas te faire resetter. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'olive? Cash ou crédit? Mets-le sur ma table. J'ai envie de dépenser vraiment beaucoup aujourd'hui. Merci, monsieur. Voici vos olives. Vous allez avoir beaucoup de tips. Merci beaucoup. T'es vraiment pas correct, Neil. Oh, calme-toi. Bon, on a une bouteille. Est-ce que c'est une bouteille d'olive? Ouais, est-ce que t'es un amoureux d'olive? Ouais, mais hein, que j'en suis un, je viens juste d'avoir une bouteille d'eux autres. Est-ce que ça te dérange si je m'assieds avec toi? Pas en tout, assieds-toi et on va manger des olives ensemble. Ok, ça a l'air swell. A disabled taste simulation.
C'est comme ça qu'on a eu notre premier toaster. Grosse discussion. T'es-tu correct? Ben oui, c'est juste que... Ouais, je suis en train de savourer les olives marinées. Ils sont magnifiques, pas vrai? Ouais, je fais juste pas comprendre comment quelqu'un pourrait trouver ces choses-là dégoûtantes. Prends ton temps, on a juste deux bouteilles. C'est-tu quoi d'autre que pas correct avec la société? Ah oui, je l'ai juste ici, quoi? Est-ce que je peux le voir? Ok. Le v'là. Et freeze! Ok. Bon, finalement. Comment étaient les olives à ta gueule? On va venir voir ça ici. By the book, Hulk smash a duke. Quatre cette fois-là. Oh, on est quatre. Ok, c'est une feuille. Ben oui, ok, je viens de comprendre. Ouais, ça a pas super bien été, je pense. La diagonale là marche pas. Ah, marche pas. Ah là 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 là. Ah, je suis en train d'être pas bon. Mais on peut-tu s'en aller puis recommencer? Wow. Ah, j'en reviens encore à l'esti diagonale. Ça va être interminable. Bon. On active le memento. T'es un pharaon certain. On est tous des pharaons. On a tous accès à beaucoup trop de confort pour notre propre bien. Ce n'est pas australien, on s'en fout.
On est comme 20 milliards de nanomètres ailleurs, en haut du soleil. Et puis je me tiens sur un poteau. T'as juste à sauter en bas, c'est pas comme si tu peux te blesser. Freaking skydive, t'es folle, je peux pas rester ici, you can't get off. Je déteste quand ça arrive. Wouss! C'est chialeux. Why would they abandon her? On en a plus besoin par bateau maintenant avec les GPS et tout. Peut-être qu'on n'a plus besoin de la rivière. Écoute, rivière. Cet endroit veut beaucoup dire pour moi aussi et j'étais en train de me demander. Les affaires ont été pas mal stables ces temps-ci. Si on économise bien dans quelques années, on peut peut-être acheter le terrain là-bas pour bâtir une maison. Ça va être tight, mais on est peut-être capable. Et puis on pourrait voir elle. Pour moi, elle, c'est le phare pendant la nuit et même le matin. Ben oui, le matin et le soir va tout être proche. Ben oui. On va jamais être toute seule. On va pouvoir checker chaque jour, chaque soir, tout le temps. Bien pour eux. C'est bien pour eux. C'est bien, bien, bien. C'est correct. C'est correct. On aime ça que tu me niaises. Tu te souviens de ce qui est arrivé? C'est comme regarder un train, un écrasement de train. La fin n'est pas plus importante que n'importe quel événement qui mène là, hein, ou la causalité. La chose importante, c'est que là, ils sont heureux. Rien qu'à pas tomber malade. Voyons, on poursuit. On poursuit, on poursuit. Allons explorer. Attends un peu. Il parlait de du fort comme Anya. J'ai l'impression. Ça veut dire que River a abandonné son traitement pour la survie d'un phare. Mais tu me deniaises. Est-ce que c'est pas un peu extrême? J'ai vu des choses plus bizarres dans le travail. Moi aussi, mais je peux pas comprendre. C'est pas de nos affaires, c'est notre client. On a la note, ok. Hein? Oui, ça c'est avant qu'il soit rendu au fort.
Voyons, est-ce que tu... Mettons le fait de même. Changer de pattern de sens. Lâche pas, Tommy, ça avance! Pas focal. J'ai pas l'impression que je suis plus proche que tantôt. Seulement 17. Hey, salut le pompier flamme. Le pompier en flamme. Salut mec, ça va correct. On est en train de découvrir un nouveau jeu. Ben, on est en train de découvrir. Ça commence à faire 2 heures qu'on joue. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Fait que peut-être qu'on va changer pour du Arena bientôt. Parce que me semble que. Ben, moi, je veux dire, vous êtes 14 en ligne à me regarder. Fait que. Ça, l'important c'est que ce soit plaisant. Je trouve que je lis beaucoup d'affaires. Puis c'est peut-être pas autant du gameplay que quelque chose qu'on aurait pu découvrir. Non, ouais, je veux me rendre à la fin, là, juste faire ça idéal. Qui ne veut pas faire ça idéal dans le fond? Piano! Monter le piano en haut, ça aurait été super difficile, même pour le TARDIS. Non, ça aurait été super facile avec le TARDIS, mais non, parce que peut-être qu'il n'aurait même pas pu rentrer dans le TARDIS. Hein, ça prend probablement un épisode au complet pour avoir un des jokes de Dr. Wu. Ça me dérangerait pas de voir un épisode comme ça. Moi non plus, ça a l'air pas mal bon. Ah, voilà. Il y avait du blabla, mais une petite boule. Les petites boules, c'est des moments du passé. T'es allé te faire une coupe de cheveux, right? Ça jase en estime. C'est quoi que t'es en train de faire? Faut que tu me dises. Des lapins. Est-ce que t'as vu les lapins que j'ai fait pour toi? Oui. Dis-moi en plus à propos des lapins. Décris le lapin. Il est jaune. Quoi d'autre? Il était puffy. Puis. Ben, c'est juste un lapin en papier. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. C'est vraiment bizarre, Rivière. On dirait qu'il y a quelque chose de pas caresse. Rivière? Je sais pas à propos de toi, mais j'ai comme du déjà vu inversé. Je crois que je sais ce qu'est sa maladie. Mais je trouve ça plutôt bizarre, même pour ça. Ah, tu penses qu'elle est... Toi, tu penses-tu? Peut-être. Qui sait? Mais qu'elle est quoi? Ouais, mais comme t'as dit, c'est pas elle notre cliente. Bon. Ne faisons que prendre ce dont nous sommes payés pour attraper. Rengainastiquement. Fait que c'est la journée qu'elle a commencé à faire des lapins. Fait que c'est un peu comme Memento, le film de Christopher Nolan, là. On vit les affaires dans le désordre. Ah, il y avait plusieurs longs cheveux orange
a déjà commencé à être malade, là. On va espérer que ça va aller plus vite là encore. Là, je n'avais fait un tantôt comme ça. Les étapes sont quand même assez rapides. Là où on active. Rengaine. Justin Pimp ne comprend rien du jeu après les fentes, les boules, effectivement. Le jeu, c'est qu'on est dans l'esprit d'un mourant et son dernier souhait, c'est d'aller sur la Lune et pour trouver une manière de créer une réalité, un petit peu comme dans Inception, dans laquelle il va. Nous expliquer pourquoi, tu sais, on va l'envoyer parler lui-même avec son souvenir de lui enfant pour qu'il se convainque lui-même de créer une sous-réalité dans laquelle il devient un astronaute qui va sur la Lune. Donc, c'est un petit peu tout ça le but à ce moment-là. Là, à chaque fois qu'on fait une étape comme ça, qu'on trouve un souvenir, ça nous amène un petit peu plus loin dans ses souvenirs. Hop. Là, tes bugger. Merci, merci. Même des petits sachets de maillot si tu veux en racheter. Je conseillerais de le faire. Ah ouais, Chino qui a suivi juste après, hein. Ben, c'est deux affaires de poulet junior pareil. Ouais. Il y a pas, c'était ça le deal. Ah ouais? Ah ouais, hein, mais là, faut que tu viennes t'asseoir ici, un Chino, pour dessert. Le manger. Là. Il y a un petit dessert. M'aider à digérer tout les spirits pour ce que j'ai mangé. Ouais. Ben ouais. Hey, merci Nathan, pis t'as mis une cut, là. Pas de trouble, le gros, ouais. Pas de plot. T'as un mec qui se pas avec ça, toi, la mayonnaise dans sa chair. Ouais, ouais. Ouais, c'est généreux. Bon, fait que. Ça va vite, là. J'ai dû faire deux, trois étapes dans le passé, là. Ouais, ok. On m'a dit que c'était pas un jeu très long, fait que peut-être que quand on voit la moitié là, on progresse bien. Mais comme je dis au monde en ligne, peut-être que je jouerai pas encore des heures. Là. Je veux relaxer moi aussi aujourd'hui, puis là je me ramasse à parler tout le temps. Là. Ouais, c'est. C'est vrai que c'était. Ah ben, Docteur Barbaillon est de retour. C'est réussi, là. La toune est super bonne. Le point and click est assez simplet. La palette de couleurs aussi, en fait, avec le mood. Mais je pense que c'est totalement juste story driven. C'est comme un roman que tu cliques des affaires des fois. Là. Ouais. J'ai pas encore trouvé de lien mémoriel de trop. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de d'étape. Qu'il y a comme deux mementos que tu peux comme bifurquer ou. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'une game à l'autre, c'est ça, ça a l'air d'être pas mal la même game.
En même temps aussi, il faut pas trop s'attendre à un jeu fait sur ce scope-là. Ben non. Je fais mon critique, moi, c'est tout. La première fois que je joue, bon. C'est là que la maison était là. La maison qui n'aurait jamais dû exister. Ah ben bon, on est de retour, il est venu écornifler. Moi, je voulais voir qu'est-ce qu'ils mangeaient, eux autres. Ouais, on est dans les burgers. Je savais pas qu'ils en faisaient au poulet, à cette heure. Ouais, ils ont un... Au Burger King. Quasiment le deux tiers du menu, c'est du poulet maintenant. Ah. Ils ont des poulets frites, ils ont des poulets popcorn, des rings de poulet. Mon Dieu! Là, ils font un burger, j'ai vu ça, ils mettent des rings de poulet sur le menton burger. C'est débile! Burger King, je pense qu'ils essaient de d'empiéter un peu sur poulet freaking toqué. On est encore là qui crie haut et fort. Oubliez-nous pas. Qui ont des Burger King, en fait, ils ont acheté le Tim Hortons une couple d'années. Ouais, ouais. Là, ils ont rajouté un burger au Tim Hortons, pis c'est genre une des choses les plus dégueu que j'ai mangé de ma vie. Ah. Ceux-là sont bons, c'est quoi? C'est 2 pour 5? 5,75. Mais c'est avec deux burgers de même qui est plein. Est-ce que c'est pour ça que t'es venu me voir dans le passé? Ouais! Quoi, ça y est, ça. Vraiment des gros des cheveux. Au McDo. À propos de maintenant, ouais, je pense que ça fait juste partie de ça. Check, ça fait vraiment longtemps. Ça n'a plus vraiment rapport maintenant, mais Izzy a dit que je devrais dire la vérité. J'aurais pas dû ruiner notre première rencontre comme ça, c'est vrai. Barbaillon, il est en croisade contre le coronavirus. Ah ouais? Ouais, hein, ça va être difficile. C'est dur de manger de la soupe parmesan. Avec des petites grosses taches aux States qui s'en calissent total. Je sais que ça serait hot qu'il pogne le coronavirus. Ouais, il crisse une volée à coup de batte, j'entends, ouais. Ça faisait Barbaillon qui taperait le coronavirus. Ouais. Les images dans ma tête, c'est agréable. On va le pogner le coronavirus. Là, il court là, un peu partout, là, ça a l'air. Il n'y a pas personne qui est capable de mettre la main dessus. Ouais, on le pogne. On veut pas. Paraît qu'il y a des cas à Mont-Laurier. Un coup que t'es rendu à Mont-Laurier. Hein. Paraît qu'il y a possiblement un cas à Mont-Laurier. C'est toujours le possiblement parce que le gars il a eu une grosse grippe. Puis, Martin il a fait un show là hier. Il y avait quelque chose comme 300 tickets de vendus, puis il y a eu 60 personnes qui sont allées. Ah ouais, parce qu'on parle du coronavirus. Ouais. T'es sûr? Non. Restez chez vous! Bon, ils sont cinglés. Ça, je me faisais dire ça l'heure qu'en Italie, là, le gros fuck en ce moment, là, c'est pas parce que tout le monde a le coronavirus, c'est que tout le monde sont fucking parano, fait qu'ils sont rendus dans les hôpitaux, pis là tout est jamais. Mais la plupart des gens ont bien, ils ont pas de problème. Fait que là, ils ont déclaré l'état d'urgence à cause que les humains sont calmes. Ouais. Les nouvelles sont contentes, là, ça lui fait des ratings en crise. Fait que là, ils veulent que ça continue à faire peur. Ouais, ils gonflent le ballon en esti, là. On réinventera pas la manière que ça marche, la bonne information. Mais là, on est en train de développer un vaccin. Ça a l'air qu'il va être bon, prêt pour dans un an environ. Un an et demi. C'est très long à faire. Puis en plus, il faut que tu le fasses pour assez de monde. Ouais, mais l'argent est là, Tommy. Puis on est en train de développer un vaccin pour sauver l'humanité du coronavirus. Yes! On mourra pas. On mourra pas. Team Chinook. En Australie, ils n'ont plus de papier de toilette parce que tout le monde en a acheté par peur d'en mailler. Nous autres, on est correct, on a un bidet. J'en prends presque plus de papier de toilette. Moi, j'aime beaucoup la vidéo du gars qui sort de l'épicerie puis qui chiale justement comme quoi il n'y a plus de papier de toilette. Puis il dit « Chris, la première guerre mondiale a commencé puis on paniquait pas de même. Nice. » Je sais pas si on paniquait pas de même, j'étais pas là. Je sais pas, mais lui, le bonhomme, il dit, je sais pas, c'est ça son point, là, c'est un vieux monsieur. Là. Moi, j'ai évolué, j'ai passé tout de suite aux trois coquillages. Pourquoi le char est transparent? Puis après ça, tu passes tout ça au bidet.
Évacue. Des fois, j'ai même pas besoin du troisième. Ah oh ouais. Ben là, moi, je me suis dit que c'était pour être ça, le memento. Puis là, je me suis dit, je vais pas fouiller nulle part ailleurs, puis tout de suite aller là. Mais... Ok, c'est rien. C'est un char transparent. Les toilettes japonaises, il n'y a plus besoin de papier. Voilà, avec des bidets, un jet d'eau qui sort. Tu n'as pas besoin de passer de papier après. Là. Ça fait un peu mouillé dans les bobettes. J'aime bien la musique. Je vais passer à mon CD de relaxation. Là, pour ouais, ça fait dans l'ambiance totalement. Ah ouais, hein, les toilettes japonaises te soufflent dessus pour sécher. Sauver quelques gouttes d'eau dans le fond des bobettes. Là. Il y a une interface, man, les toilettes au Japon. Il y a un petit écran. Pas tout, là, mais... Faudrait pas qu'à un moment donné, pendant que t'es en train de faire ton affaire, il y a ta toilette qui décide d'updater. Fait que... Tu peux pas flasher. Ben ouais. Bon, ben, je vais attendre ici que ça update. Ok, faut qu'on y va dessus. Il était juste à côté de moi. Hein. Je suis retourné virer au début pour rien de rien. Non, c'était vraiment pour rien. Ok. Quatre, très. Ok. Boubi, boubi, babou. On active le memento! Ça, c'est de l'informatique, oui. Ma toilette est sur Windows 12. Windows 12. Puis elle m'a félicité parce que j'avais perdu une demi-livre hier. Félicitations, vous êtes un beaucoup moins de gros tas de marde. Vous êtes un gros tas de marde. Just because she and I share the syndrome doesn't mean we share the same head. Ben, il faut que t'aides. Ok, ils ont le syndrome. Ouais, elle est rendue encore plus cinglée. On est dans la même pièce, pis elle est même pas comme là, tu sais. Je sais juste plus comment encaisser ça. Ben, je peux pas parler pour elle, mais il y en a plusieurs qui cherchent des connexions. Being able to articulate it, ouais, être capable de partager ses idées, c'est plus difficile. Juste parce qu'elle struggle pour l'exprimer, ça veut pas dire qu'elle ne sent rien. Elle est encore là, après tout. Des fois, faut juste que tu ailles la foi en ce qu'elle croit. Why do you seem so normal? Pourquoi est-ce que t'en l'air tellement normal? Je veux dire, toi, est-ce que tu n'as pas la même condition? Un, j'ai été diagnostiqué quand j'étais encore jeune. Mm-hmm. Avec de l'effort, ce n'est pas impossible de gagner quelques normes sociétales. Mais tu sais quoi?
à la fois je suis jalouse et j'ai pitié de l'autre là. Je suis une actrice parce que je l'ai fait toute ma vie. Pas seulement sur le stage, mais en dehors du stage, pratiquement à chaque instant. Quand là, j'espère que c'est pas son chum mais qui est en train de dire ça. Hein. Je suis devenu tellement bonne à ça parce que l'acting, c'est la seule affaire que j'ai. La seule manière pour moi d'être normal. Tout le monde, c'est un peu ça. Mm-hmm. Mais River, elle n'a jamais fait ça. Elle est restée une outcast, une bannie. Puis elle a refusé d'apprendre des étapes contre ça. Je sais pas si c'était par choix ou sa limite, mais soit qu'elle était brave, soit qu'elle était peureuse. Les rengaines, matapatalimatou, ragan, ragan, rangan. Peut-être qu'on pourrait faire un draft de Throne of Eldraine. Non, de... Je m'ennuie de Throne of Eldraine. Mais non, c'est-tu sais quoi la maladie, Ken? De Isabelle, that people know of, non. Les deux docteurs, ils ont dit, ah, je pense que c'est ça, puis l'autre a fait, ah, ouais, tu penses? Puis là, ils ne nous ont pas dit, là. C'est comme s'ils savaient de quoi qu'ils parlaient. Bébé, ah ouais, non, c'est papa, chanteur, maman, douceur, pleure pas, bébé, bonheur. Life just gave a flower to Daddy Singer. Je n'ai jamais rencontré une femme qui avait ce syndrome avant. Docteur Rosalind, techniquement, tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui l'avait. Ce n'est pas nos affaires. Continuons. Fait qu'on sait encore qu'il y a un syndrome, mais il ne veut juste pas nous le dire. On s'est fait téléporter dans une petite cafétéria. C'est comme le premier souvenir qui est pas dans la maison. Ah non, tantôt il y avait un enfant dans un café, c'est vrai, avec un barman. Grrr. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non! Qu'est-ce que tu lis, là? Les nouveaux vêtements de l'empereur. C'est très, très bon, ça. C'est quand que l'empereur, il met pas de linge, puis tout le monde dit, oh oui, t'es vraiment bien habillé, jusqu'à temps qu'un enfant, il dit, voyons, si tu fais à poil. Ah. Juste pour des raisons c'est différentes. Le couturier qui y vend, c'est ça. Ça. Ah oui. Mais il vend quelque chose en disant que c'est le tissu le plus précieux ever, mais dans le fond, il vend littéralement rien. A book from it as a wedding present. Ouais, ça c'était vraiment un cadeau de mariage bizarre. Ben, j'ai probablement été très obsédé par ça quand j'étais petit. Pourquoi est-ce que tu ne les as pas lus à nouveau depuis? Je. Le meilleur dresseur. Meilleur des collecting dust in the garage, ça ramasse la poussière dans le garage. J'ai les ai lancés au vidange, un petit peu la trail de toutes les paires de ski de fond ever, là, qui viennent nous expliquer là. Ouais, je veux dire, c'est juste des livres pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct à lire des livres pour enfants? Ils sont réconfortants. Bon. Ouais, docteur Barbaillon, on n'a pas assez de gens. Ouais. Qui nous regarde par mois pour qu'on puisse les débarrer. Si t'es capable de monter notre moyenne à 75 personnes par heure pendant un mois, après ça on va devenir des affiliés comme le jeu c'est sérieux, puis après ça toutes nos archives vont pouvoir être sur Twitch. Mais en attendant, faut aller les prendre sur le YouTube de douteux.tv. Yep. En plus, il y a plein d'autres affaires super cool là-dessus. Ben oui. Ça fait quand même une dizaine d'années que ce canal-là, c'est tough. Là. Ces temps-ci, c'est plus des let's play à nous autres. Les extraits de 70%. Ouais, les extraits de 70%, c'est bon, ça, toujours là. Fait que là, j'y ai touché, puis c'est tout devenu des mémoires ailleurs. Animorphs, là, il parle de livres, là, ça. Ben...
Probablement. Oh! C'est quoi l'animal préféré? C'est le platypus. Le platypus. Mais ça fait pas. Ah non, c'est rabbit. Rabbit. C'est rabbit. Ça fait pas non plus. A, B, I, T, mais oui. Ben c'est 2B, un rabbit. Ouais. Platy. Ah, tu peux écrire. Non. Okay. R, A, B, B, I, T. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée d'abord? He's more of a cat person, ça c'était son boss. On n'a pas parlé tant d'animaux, ça. Il y avait un platypus. Puis il y avait des rabbits. Mm. Squirrel non plus, ça fait pas. Squirrel. Hey, come on là! Essaye les rabbits avec juste un B, voir. Peut-être qu'ils ont une erreur dans leur affaire. Rabbi. Hmm. Ça parlait vraiment de son animal préféré. Ouais. Peut-être qu'il vient juste d'en parler puis que j'écoutais pas à Chris. Si je pèse OK, il se passe quoi? Ok, faut que là on est stock là maintenant. Bon ben. Les humains. Human. C'est des animaux. Tommy, peut-être non. Je sais si j'étais un animal. Jake Tiger, Marco Gorilla, David Cobra. Bon ben, ça va être les cobras. On n'aurait pas tombé dessus. Oh yeah, a cobra. Sac, c'est ça qui m'a amené là. On peut pas sortir, ça va être en haut là. Bon, c'est un peu niaiseux ça aussi qu'il n'y ait pas comme des affaires qui flashent pour eux. Que je me ramasse à promener la souris de même pour tout vérifier. Ouais. C'est en train de me redonner le goût de jouer à des point and click. On est pas mal bon. Sigmund Corp. Ok. Ouais. Il y a une pas plus facile.
pense qu'il aurait fallu que je fasse lui avant. Ok, non. Fait que là, je fais lui comme ça. Bravo! C'est pas plus simple de kidnapper John puis de l'amener sur la lune, ouais. Peut-être. Des notes sur les animorphes. Ok. Les animorphes. Ouais, c'était populaire quand j'étais à l'école, ça. Les livres d'animorphes. Ah, c'était des humains qui pouvaient se transformer en animaux à leur guise. Il y avait tout un animal différent. Il y avait un dessin animé, mais c'était principalement des livres. Allez sauver vos... Ouais. Non. Garde tes petites niaiseries d'adolescent pour quelqu'un d'autre. Fait que, ouais, je vais sauver, là. Ok, c'est fait. On va faire Exit Game. Et on va tomber ici comme ça. Parce que ça me tente encore de jouer un petit peu à des jeux, mais plus à celui-là. Ça a fait vraiment beaucoup de blabla, je m'attendais pas à ça. Mm. C'est la suggestion de quelqu'un. À date, c'est quand même gentil. Là. Je regrette pas de jouer à ça du tout. Là. C'est juste que je joue à un moment donné. Hein. Alundra 2, c'est déjà fini. Chris Marty Lang, t'as manqué ça. Là. C'est 20 sur 20. On avait dit ça avant même de jouer au jeu, tu sais, en blague. Puis on savait pas à quel point on avait raison. Ah, ça a été très difficile. Ah, yes, on va commencer un draft. On fait un draft, on va voir après. Je te conseille Lisa, dit Mazo DX. Ce n'est pas plus simple de kidnapper John. À suivre. Festival Ilia du Glory, ouais, qui mange la marde, là. Il fait des alliances, puis il trahit, puis tout. Pas de même, je crée pas à ça. Là. Fait que, tiens, ouais, on est en train de se faire un draft de Throne of Eldraine, et notre rare est de la marde. Tiens, prendre ça, j'aime beaucoup ça, cet enchantement-là. Ok. Blanc-noir, j'ai l'impression. Deux fois, ça devient beaucoup. Ça, c'est bon. Peut-être qu'on va virer avec un peu de vert. Hey, vert, blanc, noir, puis gars, il y a juste. Des satires. Oh yeah! Ah, j'ai bien fait de virer avec un peu de vert. Vert, blanc, noir. Ça, c'est pas fait pour limiter pantoute. Quoi que, c'est pas vrai, là. On va l'essayer. Hey, petit bon! À toutes les femmes que j'ai aimées avant. À toutes les femmes que j'ai aimées avant. Ça, c'est tout. Le souvenir d'adolescent. Oh yeah! Vert noir! Enfin, quelque chose de positif dans ce monde sale où tout va trop vite. Pardon. Ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, hein, Chris. C'est le nouveau. J'ai pris la A, puis c'est sûr que je peux en mettre au ouais, mais Tim, c'est bon, ça aussi. On va prendre Tim. Ça fait péter des monstres. Mana Fixer, là, on va prendre des biches.
Celle-là ou celle-là? Celle-là. Ah non, François, commence pas ça, s'il te plaît. Je suis mal à la tête. Mais il peut la rechanter encore. Il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il peut redire, je m'en veux. Human cleric, put the top two cards of your library into your graveyard, then you may return a permanent card from your graveyard to your hand. J'aime ça. Ah, mais j'ai 8-7, ça, c'est bon, ça. Ouais, j'ai vu ça, Captain Tiramon. J'ai besoin de monstres. Un super vidéo de Chinook qui fait du karaoké. Ah, ben là, glorieux, là. Hein? Exil. Officiel. Ah, j'ai pas encore poigné le... Ça fait chier, ça. Ça fait chier. Ouais, j'aurais pas deux affaires de même, certain. On prend un monstre, c'est une cause du... Let's go. Ah! Bon! Ouais, voir noir, je pense. Ouais, il me semble que. Ça, c'est sûr que non. Tu vas-tu faire trois couleurs? Oui! Ouais, ok, j'ai de quoi tuer du monde en masse, ça vaut la peine d'en garder un. Vous avez pas rapport. Inspire Awe, non merci, c'est bon, mais une autre fois. Polycranos, ça va pas mal être ça, lui on n'a pas besoin. Cinq de chaque. Faut en enlever six encore idéalement. Ça, c'est bon parce que tu peux refaire de l'énergie et tu piges une carte aussi. Ça coûte la même affaire que l'autre carte bleue en instant. Mais mon Return to Nature enlève des affaires dans le graveyard aussi. Sauf que lui, ça peut me faire piger une carte, par contre. Je pense que je vais enlever un Return to Nature, puis... Parce que là, j'ai pas beaucoup de manières de piger des cartes, là. Cling to Dust. The Birth of Meletis, c'est très bon. Ça, on peut en garder un. On peut aller voir ici. 14 créatures. Ça, c'est pour ça qu'on a mis du vert. Faut qu'on va le garder certain. Faites un monstre avec Flying, ça gagne des games. Ce coup-là, machin. Peut-être qu'on s'en fout de ça. Lui, j'ai deux. La collette d'affliction. Permanent. Bon, ben, on va y aller avec 41.
La vidéo de Chinook sur son Facebook, c'est magnifique, bien sûrement. N'oublie pas de le taguer, on veut pas manquer ça, nous autres non plus. Première game, l'espoir est pas tout à fait là, diront certains. Diront certains, c'est moi. De ne pas t'en vouloir. Chinook, il nous a parlé tantôt, puis il a dit la prochaine fois, il va la faire avec plus d'acting, tu sais, avec du taper par terre, puis. Ah, ben, c'est une très bonne première main, ça. Il va pouvoir sortir un petit monstre. Moi, je vais sortir lui. Deuxième tour, lui, pour avoir le mana noir. Voyons, on se fait là. C'est sûr que ça va être Pet Nightmare qui va jeter. C'est quand même pas mal bon ça, Agonizing Remorse. Choix difficile. Oh. Il m'a pété ma source de mana, ma plus de mana, le poignet rose, il m'a pété dans la face, c'est-tu. Là, j'ai fait attention de ne pas mettre mon mana noir tout de suite. On va garder la surprise. C'est le fun, quand tu sais, t'es trois couleurs, puis tu te fais pas trop chier longtemps avant d'avoir toutes tes manas. Fait qu'on peut y garder ça secret encore, je pense. Counterspell. Counterspell. Pourquoi t'attends? Ok. Là, j'en ai deux, là. Come on. Oh, yeah. Ah, ben oui, j'avais oublié lui, en plus. Perfect. Il est très bon, lui, avec les deux enchantements, le plus 2, moins 1 noir que tu peux faire escape et le plus 1, vigilance que tu peux faire escape. Très bon. C'est un mana noir, Jean-Guy, là, c'est pas... Je veux dire, on peut en parler, mais... Allô? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un 6-6. Pendant qu'il n'y a plus rien pour counter-speller. Hein. J'aime tellement ça. Là. Il s'en va taper dans l'autre à genoux. Là. Pardon, Dieu. C'est ça qu'il demande, Dieu. Ok, fait que lui, le dommage est préventionné. Je vais essayer quelque chose, tiens. La magie! Légumane! Pi! C'est qui est bonne la toune. Ouais.
le reverb qu'il a utilisé sur sa voix quand il dit Lego Man, c'est le Leguman, c'est le meilleur reverb que j'ai entendu de ma vie. Avec le petit écho, là, pis bah, là, c'est... Leguman! Ça, c'est pas un enchantement, hein? On a rajouté un petit bout dans la vidéo de promo pour le clip de Serial Killer. Puis demain, là, on va présenter ça. Là. Ça représente très bien notre journée qu'on a eue de tournage aujourd'hui. Ça, c'est important. Another. Puis il me reste encore cette excellente carte-là. Je comprends pas pourquoi qu'il m'a... Ben, c'est vrai que si j'avais pas pugé de swamp, j'aurais pas eu mon 6-6 au quatrième tour, pis tout, là. Mm. Puis ça, c'est un petit gros monstre tout puissant. Tabarnak. Ah, ça, c'est fort. Fait que je vais être obligé d'utiliser son pouvoir. Ah, mais mieux que ça, c'est un enchantement. Ouf. Ouh. Ouch, 14-14. Hein? Je suis... Grimpe-tu de même à chaque tour? Ok. Tabarnak, hein? C'est-tu que à double ou c'est un incrément de 7? C'est-tu qu'à double ou... Ben ta carte là qui est rendue à 14-14. Là, ah 7, oui, 7, ça double. J'ai mis un enchantement qui double les compteurs plus 1 plus 1, puis elle arrive en jeu avec 6 compteurs plus 1 plus 1. Tabarnak. Fait que, mais à toutes les fois qu'elle a du dommage, le dommage est prévenu, puis t'enlèves le nombre de compteurs plus 1 plus 1. Okay. Moi, je pense qu'il va abandonner. Ah non. Ben voilà. Je l'attaquais avec mon double strike, je pense pas qu'il y ait... Bon, ben ça a très bien été, on espère... probablement que c'est Chinook qui m'a porté bonheur, hein, parce que Chinook porte bonheur puis il m'a touché tantôt. Mm-hmm. Ça a l'air aussi que nourrir un Chinook, ça booste ça ton boost. Bonus de bonheur. De, oui. De bonheur. Là, j'ai donné un burger, puis toi, t'es allé chercher le burger. On est gradueux. Hard fat. Là, j'imagine qu'il faut que tu finisses, faut que tu attendes qu'au moins une autre personne ait fini sa game, genre. Tu Ok. Ça, c'est pas pire. Ça va aider. Les drafts, c'est-tu genre, mettons, ça prend un nombre de joueurs, puis c'est tous ces joueurs-là qui vont jouer ensemble jusqu'à la fin, ou c'est plus randomisé, c'est tout? Je comprends pas la. Ben, non, mais comme là, je pointe des adversaires qui font une affaire de draft, eux autres aussi, là, mais... Ouais, c'est ça, mais c'est pas un ça draft, veut pas dire que c'est un bloc fixe, puis je peux arrêter puis revenir de même, puis ça veut pas dire que... Ouais. Ils m'informent même de comment les personnes contre qui je joue sont rendues musclées, là. Bon, OK, fait que là, je vais faire ça. Pour piger une forêt, ce serait cool. Ah, il n'avait pas. Ben, au moins, je viens de skipper trois tours de Mana Screw. Hein. Mm. Fait que c'est ça.
Oh ouais, hein? Oh yeah. Eh, hey, pétez son monstre qui t'a rendu la flic! Ah, il sort son petite grosse dinde. Legendary Enchantment Creature. Destroy Target Enchantment. Je pense que si je vois. C'est ça qui se passe? Ah, si j'en ai un de ça. Bon, je vais mieux m'en mettre. Ah, je m'en joue. Non, c'est pas vrai, j'aurais pas pu faire les deux. C'est quoi le plus important, là? C'est de péter ça. Ah non, parce que là, il va pouvoir la ramener. Ah, niaiseux. C'est... Ah, je m'en joue. Je me suis dit, là, il va perdre son graveyard au prochain tour. Faut que j'aimerais ça qu'il y ait de quoi dans son graveyard. Mm. De cool. Puis là, ben, je m'en joue. Parce qu'il va, c'est sûr qu'il va aller la rechercher. À moins qu'il soit con. Ah, c'est ça, il a pensé. Ah, mais bon, il y a au moins ça qu'on va lui mouver. Ah, la petite araignée. Allô? Allô? Playland. Se mêle à ton enchantement, ton estimant va donner 3-2. S'il attaque pas avec le 3-2, ouais, c'est ça. C'est... No blocks! En faisant ça, ça veut dire que j'ai activé mon affaire avant le... Oh yeah! Avant de piger. On n'attaquera pas! Parce que c'est bon ça. Ça... J'ai pigé genre 4 landes à cause de ça. Là, tu veux le. À toutes les fois que je fais un enchantement, à toutes les fois qu'il y a un enchantement qui arrive en jeu sous mon contrôle, je peux checker les 3 premières cartes de mon library et mettre un basic land dans ma main. Ok. Ah ouais, hein? Oh. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah,
m'intéresse pas qu'il n'y ait pas un plus 3, plus 3. C'est puant. Oh, je me vais. Pas fou. Moi, j'aurais pas dû bloquer avec mon nom. C'est à moi! Elle est bonne en plus. Oh yes, un land. Mana flood. Heureusement, j'ai pigé un land après en avoir pigé plein, là. pour prendre de chance de comme manquer de land puis de pas en avoir assez. C'est important d'avoir trop de land quand tu collectionnes les land. Tu le fais-tu ou tu le fais pas, là? Y'a pas... Quand même? Ouais, ça va être difficile. Je sais pas ce que je pourrais piger. On va y laisser celle-là, puis on partirait là. Tantôt, je n'ai joué une cet après-midi, puis sur 20 cartes que j'avais pigées, j'avais pogné 14 lands. J'étais tanné. Salut Camille Lita! Hey! Comment ça, Camille Lalite? Le Camille Lalitage? Je vais enlever elle, on fait ça de même. L'as-tu gagné cette partie? Ben, pas celle que je viens d'abandonner. Elle, non, si t'abandonnes, faut que t'assumes après. Là, tu peux pas abandonner et gagner la même partie. C'est pas de même, ça marche. Teferi. Non, c'est pas Teferi, c'est. Oh yeah, un land de chaque couleur en commençant! Ben parfait. J'ai les deux. Quel que ça nous tenterait le plus de sortir en premier? Ah ben là, on a le Pious Wayfarer. Moi écoute, marchez ses genoux, marchez ses genoux. Marchez. On le fait avant d'attaquer parce que lui, c'est ça. Fait que là, je vais être 2-3 jusqu'à la fin du tour. Je viens de doubler mon dommage avec mon gars qui se promenait à quatre pattes. Wow! Ça, c'est pas un enchantement. Là, le cheval, il a fait un bruit de cheval. T'as-tu gagné? Oui, j'ai gagné finalement la partie que j'ai pigé 14 landes sur 20 cartes. Beaucoup grâce au Kraken, qui est 2 bleus, un colorless, 2-3, qu'à toutes les fois que tu piges une carte, tu peux payer un colorless, puis mettre un compteur +1/+1 dessus. Et voilà, ça a beaucoup aidé. Ouais, ça, je peux le faire avant mon prochain tour. Ben non, parce que je veux avoir un bonus +1/+1. Ah, lui, il est Manascrew aussi, que ça fait de la peine de voir ça. Blanc ou noir? Blanc. Je pense que t'as bien fait. Tabarnak, hein? Parce que lui, ici, ça va faire qu'on gagne un d'énergie à toutes les fois que j'ai une créature qui rentre en jeu ou qui meurt. Ah ouais, il commence à discarter. Ah, oh, dude, désolé. Si on était un en face de l'autre, je te mettrais un Basic Land sur le top de ton library. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Hein? Parce qu'il va concéder. Aïe, aïe, pauvre lui. Puis check, gars, j'ai quand même. C'est même pas un land, Dusty.
Jusqu'au bout, hein, bon. Ouais, you can see. Grosse victoire pour revenir dans le match. Ça peut valoir la peine, dans le fond. On vient de commencer le draft, là. Bon, on se fait 2-3 games. Je ne sais pas combien de temps qu'on va jouer encore. Je vais rapidement aller changer la description du stream sur Douteux TV pour pas qu'il y ait du monde qui se sente lésé, qui s'attende à du tout de monde. On a joué un bon 2-3 heures à tout de monde. On est rendu à faire autre chose parce que... correct, la variété. Magic. Arena. Tadam! Bon, moi j'ai regardé une dernière, mais bon, ça je m'en vais coucher. Ah ouais, t'uploades le film pour demain. Mm-hmm. C'est bon. Je me battrai sans répit. La 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 la. Ah, ça va, nounours? Je pourrais t'organiser quelque chose pour que tu sois tout le temps là, hein, dans le fond. Faire un petit siège. Ouais, un rack à nounours. Un verre, puis ah ben j'essaye ça, c'est parfait, c'est parfait. Ok, ok. Ça, il sait pas qu'on a d'autres choses que du noir encore. Mmh, si j'avais mis un verre, il aurait fait « Oh, t'as pas, il y a du verre! Oh! » C'est une bébiche volante. Check, je peux le péter quand je veux. Mmh. Bon, on va attendre voir qu'il mette un enchantement super fort dessus puis que là, il soit gaspillé. Mm-hmm. Là, on va prendre un blanc, puis avec notre autre blanc, on va pouvoir pas mal tout caster les spells là, du deck à ce moment-ci. Non, merci. Ah oh ben. Ben, oui. Je dirais qu'on a été chanceux sur les landes. Là. Je sais pas si lui, il a trois couleurs, s'il est en train d'être mana screw, s'il pue. Ça, sûrement. Sûrement qu'il pue. Et né au Québec, sais-tu ce qui est le fun avec un gros chest de poils, c'est que mes morceaux de Joe Louis ils tombent pas à terre. Ils tombent dans le poêle puis je peux les manger après. Nice. Pratique, j'aime ça, man. C'est ça ton tour. Tu vas me surprendre avec tes instabons, voilà. C'est un peu chien parce que si on me prend un autre casting cost de 1, parce que lui, quand il meurt, il peut faire d'autres dommages où il veut, puis il pourrait tuer lui. Ben, ça me va de laisser ça de main. Parce que je vais pouvoir faire ça comme ça ici pour se crailler. Parfait! Puis s'il veut m'attaquer, ben, gars, je perdrai mon lampade contre ton careless célébrant. Là. On va vivre avec ça. Fais un gros enchantement super fort. Il réfléchit. Ah ouais, là on prépare d'expérience. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de gâteau à chambre. Ah ouais, tu m'attaques avec les deux? Ah, c'est sûr qu'il... Two blockers, c'est sûr qu'il va... qui va mettre un enchantement pour y donner First Strike. Là. Ah non. Il vient de gaspiller 2 points de dommage. Ah non, ben il va te suivre. Je fais mon bonhomme. C'est pas super grave.
dessous, puis piger là. Ah, quoi que là, j'ai mon monstre que. Que je vais être content d'avoir des. Ok, let's go, fais ça de moi. Que je vais être content d'avoir du blanc, parce que lui, il est. La 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 la. Return a permanent card from your graveyard to your hand. J'ai pas rien d'assez bon. Hein. On va garder ça pour tantôt. C'est pas pressant. Anyway, il peut pas me faire plus que un parce que j'ai une arme secrète. Lui, il sait pas que je l'ai, ça. Non, c'est vrai. Il va être surpris en crise. C'est une arme secrète, c'est quoi ça fait? Ça surprend. Puis quand tu surprends, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, plus que toi tu veux que ce que ton adversaire veut. C'est la définition à check, gars. Tu vois, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Wow! Il vient de passer deux cartes sur son hostie de lutin, par contre. Ouais, mais il... Non, non, ta gueule, toi. Il était tricky, là. Tabarnak. C'est ça qui se passe. Et pip, fini le Alundra, Chris, oui. Il se laisse pas faire, Dieu, c'est un pimp, t'as vu ça, oui. Mais là, j'ai ici mon cléric qui m'a permis de ramener le monstre, qu'il a mis quand même pas mal d'efforts à tuer. J'aime pas ça qu'il reste autant de cartes dans sa main, par contre. J'aurais pensé qu'à ce moment-là de la game... T'aurais moins. Hein? Ouais, puis je suis un petit peu déçu que... Ma magie pétait son flying et oh, ça c'est bon ça. Fait que si je peux piger un de mes trois péteurs d'enchantement, on va être heureux. Glacine 3. C'est sûr que c'était pas ça vu qu'on aurait été heureux. Hein. Sa face gluante, purulente. Et ça, man. Salut Spin That Will Survive! Bienvenue à Douteux TV. On est en train de faire un petit draft. On a joué à To the Moon de 6h à 8h30 à peu près. Il y avait quand même 2-3 heures, en tout cas. On a joué beaucoup. C'est un jeu où qui a juste des dialogues en anglais. Fait que là, j'ai lisé en traduisant. J'étais... Oh non, ah beau. J'étais moi-même tanné de m'entendre. Fait que, Non, je lui laisse. Ouais, ok, j'ai une chance encore. Non, mais là, il va y donner plus 3. Devient 5, faut juste que je me garde un monstre pour bloquer. Fait que dans le fond, d'avoir joué avec ma bouffe, c'était peut-être ça le problème, là. Le fait que je l'ai laissé. Que j'ai attendu qu'il y ait assez de mana pour. Ah, bon. Je pense que je vais aller enlever le land 3 couleurs. Non, non, je vais avoir juste 15 lands. Ok, c'est bon. Là. Ça a bien été. Je n'ai pas été chanceux. Le jeu est bon c'est de tout le monde. Ben c'est pas vraiment un jeu. C'est comme une histoire. Puis tu joues. Je dirais ça.
tu sais, que moi je joue ou que tu regardes un speed through, un walkthrough, là, que tu regardes quelqu'un le jouer, je pense pas que ça va changer grand chose au final. Là. C'est un petit peu comme Doki Doki Literature Club, mais avec du point and click un peu plus. Mm. Ah, tu vois, gars. Hey, ça peut pas être pire. Ok. Ouais. Mulligan, puis il te ressort deux cartes identiques. Ouais, mais au moins. Non, mais tantôt j'avais deux. Hey, voyons, Chris. J'avais deux lames noires, puis mm-hmm. tu vois, j'ai bien fait de pas l'enlever, parce que sinon je serais paralysé. Pénissement réalisé. C'est à moi. Fais rien. Ouais, il y a des puzzles, mais on s'entend, c'est... Il y a sûrement... Oh, je vais être obligé de péter son enchantement. Ouh! Ah non, j'ai mieux que ça. Je vais le laisser grossir, puis après ça, je pète son monstre. Péter son monde, lui, il sait pas la tête, lui, il sait pas. Lui, il pense, c'est non, péter son monde, bah! Péter son monstre, gagner 3 d'énergie. Mm-hmm. 1, péter le monstre. 2, gagner 3 d'énergie. Ok. Fais un enchantement dessus. Fais. Avant d'attaquer, fais un enchantement dessus. Fais un enchantement stant. Ah, ok. Ouais. Le tabarnak, hein? Il est allé pour des gros monstres, lui. Une chance qu'il ait fait son indestructible sur l'eau. Ben je ris, là, mais en même temps. Hein. C'est ça. Merci pour les 4 plaines. Il en reste 2 dans mon deck, là. On peut-tu, comme. Checker ça, genre. Puis là, j'ai aucun enchantement pour aider à accélérer. Et ces 2 monstres qui ne sont pas des enchantements. Hey, c'est vraiment dilaté, là. Mais ce deck-là a pas l'air à te porter chance. Chinook! Ouais. Ça va pas bien, là. Ça fout. No blocks. Est-ce que c'est ça trop peu trop tard? Là, je peux sortir mon monstre qui peut pas bloquer. Prochain tour, j'ai un 0-4, puis après ça, je gagne 2 d'énergie. Ok, tout est possible. Là, idéalement, sortons un enchantement. Hein? Un enchantement? Parce que là, je suis à 8. Là, je vais sacrifier lui, c'est sûr. Non, je vois pas comment que je vais m'en sortir. Fait
que là, lui, hey, beau, c'est là. Two blockers. Non, j'aime mieux. Ouais, ben, je pense que ça va avoir été ça le draft à soir, hein? Voilà. C'est super long. Mais merci beaucoup tout le monde d'avoir passé une partie de la soirée avec nous. On devrait revenir mercredi ou jeudi. Peut-être qu'on enregistre des critiques exquises ce jeudi. Donc, c'est mercredi. Non, c'est jeudi. Fait que c'est mercredi qu'on stream. Je sais pas c'est quoi qu'on va faire. Je continue encore à gagner des levels à Dragon Quest, mais mon frère m'a dit que le vrai dernier boss, tous ces bonhommes sont level 99, puis le vrai dernier boss, il n'a pas été capable de le tuer. Et ça m'a un petit peu refroidi, parce que, en même temps, tu sais, à suivre, là, je ne sais pas c'est quoi qui va se passer mercredi. Merci d'être là, je vous envoie un petit peu comme d'habitude, voir le jeu, c'est sérieux ou c'est franchise. Nous autres, on va sûrement s'asseoir devant un film de chien avec Chinook, là, puis prendre ça relax. Mm. Fait que demain, au douteux, c'est Gaston Lepage. Vous pouvez checker notre Patreon. Il y a un petit lien une fois là, de temps en temps là-dessus. Sinon, samedi prochain, c'est le Questing. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'informations. C'est vraiment une activité super le fun. On s'habille. C'est un GN dans la ville. On part du musée de l'absurde à 1h après-midi. Voilà, toi t'es quoi là? T'es rendu un ranger? Ouais, moi je suis un ranger, ouais. C'est ça, je suis un swordsman de bois qui multiclasse en ranger. Ben oui, t'avais gagné un level avec la souche millénaire, pis c'est là qu'on retourne en fait. Je sais. Ça va être capoté. J'ai hâte de on va faire le tour du musée Red Pat, après ça on retourne dans les catacombes de la citadelle. J'ai confirmation que Mathieu Boudreau va être un rappeur level 1. C'est sublime. Ça va quand même pas mal cool. Salut les amis, à bientôt.